plus de monde. Coucou, j'arrive. Juste 2 minutes, vous pouvez... Si vous pouvez tapoter, j'arrive dans 2 minutes. Je vais juste chercher un câble de chargeur pour mon PC. Et voilà. Mais bonjour, bonjour, j'arrive. Hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je mets juste à charger le PC, voilà, c'est bon. Touc. Alors, vous êtes tous levés. Ah, mais le problème avec ma fiche, c'est qu'on voit pas vraiment. Eh, on voit pas vraiment ce que j'ai écrit, non? Je sais pas si on va voir comment on s'en sort, les modos, si vous arrivez à lire. En fait, je voulais mettre une image avec l'UNRWA parce que c'est le thème de ce matin. Je pense que ça va tous vous intéresser, il y a énormément de choses à dire. Ça n'a pas été traité, bah, bien sûr, sur TikTok, c'est pas trop le sujet. Tu vois pas, ouais, c'est chiant ça. Vous savez si on peut changer les couleurs des commentaires, les mettre en noir par exemple? Coucou Queen, oui, bah, tu sais, je vais ressortir tous les rapports, les plaintes, les réponses et tout. On va faire toute la matinée ça, il y a énormément de choses à dire. Kamala Harris aussi, bref. On va faire tout ça. Tu sais pas si on peut changer les commentaires. Attends, on va regarder. Attends. Tac, tac. Il n'y a pas d'administration. Donc, s'il vous plaît, tapotez pour stabiliser le live. Et je commencerai après. Filtrer les commentaires, top commentaires. Non, on ne peut pas changer les couleurs. Ça a pété. Oh. T'as envoyé des missiles. Oh là là, mais ça ne s'arrête plus. On pense tous fort à vous, en tout cas. Nous, on est... Tu sais, moi, je suis en Suisse, on est sur une autre planète par rapport à ce que vous vivez. Hein. Nous informer, ouais. Le quotidien, non, mais c'est... Attends, il va y avoir la riposte, normalement, d'Israël à l'Iran. Il avait promis Netanyahou. D'ailleurs, après, on va réécouter Netanyahou tout à l'heure. Oui, avec Heidi, oui. En fait, on va écouter tout à l'heure quand il parle de Macron. C'est pas le thème du live, mais de toute manière, on va en parler. Vous avez vu qu'hier... Oui, parce que j'ai couru. J'ai couru pour aller chercher mon câble. Ouais, il parle de Macron, etc. La honte, voilà. En fait, je suis essoufflée parce que mon micro, il est tellement proche du visage que vous entendez tout, quoi. Donc, je vais devoir changer ma photo, les gars. Nous sommes des grands méchants. Ouais, c'est comme si vous êtes toujours les méchants. Vous avez le droit de rien dire, en fait, quand on les entend. Écoutez, je vais devoir changer de photo. C'est un peu embêtant. De toute manière, je vais ouvrir la caméra, comme ça. Hop, ce sera plus simple. Et après, on remettra une autre photo. Alors, voilà. Tac. Vous allez voir ma gueule du dimanche matin. Voilà, bonjour. En fait, on peut se... Oui, ça, c'est ça. C'est comme si... Salut, beau gosse. C'est comme si le Hezbollah n'a rien fait, en fait. Bonjour. Bah, comme un dimanche matin, j'ai quand même eu le temps de me maquiller, voilà, pour faire une vidéo. Et puis, je suis dans mon peignoir du matin, là, un petit peignoir un peu japonais, tranquille. Mais oui, non, c'est ça. C'est tout l'indignation à sens unique. Alors tapotez s'il vous plaît, après je commence quand c'est stabilisé. Parce que vous savez que mes lives attirent souvent les jaloux et les gens qui n'aiment pas la vérité. Alors vous savez que l'UNRWA, ben, je vais lire les rapports de UN Watch. On va déjà revoir qu'est-ce que c'est l'UNRWA, lire les rapports de l'UN Watch, lire bien sûr les plaintes qui ont été faites, notamment pour les informations, mais on va la lire à New York City. À Macron, oui, Macron, il s'est... On en parlera à la fin du live, je pense, en fin de matinée, si le live tient le coup. Mais il y a une plainte de famille des victimes à New York City, donc il y a quelques trucs à dire. Et aussi en France,
représentants de la fam des familles juives, dont certains ont été otages, ont essayé aussi de porter une plainte. Je vous expliquerai, ça n'a pas été. Le juge n'a même pas pris la plainte. Donc je vous montrerai ça, comme ça vous verrez un petit peu l'impartialité de. Voilà. Et puis bah, l'UNRWA, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et après, j'aimerais aussi vous parler de l'ONU. Bah, l'UNRWA, c'est une branche de l'ONU. L'ONU, le trafic d'êtres humains qui était, sur lequel il y avait des policiers et des membres de l'ONU qui étaient englués dedans en Bosnie. Donc il y a une lettre, ils ont même fait un film pour se dédouaner, etc. Mais je pense qu'il faut que vous le sachiez, c'était trafic d'êtres humains et surtout trafic sexuel en Bosnie. Donc voilà, on va reparler aussi du génocide bosniaque à la fin du live pour rappeler tout ça. Coucou, salut tout le monde, salut les amis éclairés. Alors, bon, je vais commencer. Alors, si vous êtes tous arrivés, je vous laisse tapoter encore, s'il vous plaît, au moins jusqu'à 2000 cœurs, et comme ça, on commence. Bon, j'ouvre juste ce qu'il faut. Déjà, on va commencer par rappeler ce que c'est l'UNRWA pour les gens, parce que déjà, c'est un nom à coucher dehors. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'UNRWA, voilà. Et j'ai juste, normalement, vous voyez, j'ai ouvert tout, j'ai préparé le live, hein, j'ai tout préparé. Faut juste que je le retrouve. Hop. Je vous laisse tapoter en attendant que je retrouve ça. Tac. Donc ce sera bon, je vais vous traduire tout ce qui est anglais, je vous le traduis comme d'habitude. Je vais le retrouver, je vais le retrouver. J'étais sur la page pour vous expliquer exactement ce que c'était l'UNRWA plutôt que juste de vous dire oui, donne de l'argent. Comme ça, vous voyez exactement qui c'est. Mais. Je vous ai ouvert tellement, j'ai tellement de documents à vous montrer ce matin. Bon, je recommence, je vais le retrouver. On va aller sur leur site. Et puis après, on va partir sur l'UN Watch. Si après quelqu'un veut monter, parce que vous avez aussi des documents sur le sujet, vous êtes les bienvenus. Ou si vous avez des choses intéressantes à rajouter. En sachant que les haters, j'en veux pas. Pendant le live, si on a des renseignements, et si c'est des choses, voilà, je suis en train de traduire des articles et qu'on réfléchit. Hey, salut! Les haters, on n'en veut pas, surtout pour monter insulter. Alors, on va commencer sur l'UNRWA, qu'est-ce que c'est? En sachant que j'ai pas tout. Si quelqu'un, justement, a. Oui, ah. Bon, allez, je vous le fais en anglais, c'est pas grave. Heureusement qu'on est bilingue ici. Si quelqu'un a les ressources financières de combien il gagne, j'ai pas eu le temps de le chercher. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de le chercher. Vous avez vu, j'ai cherché plein de trucs hier, mais j'ai pas eu le temps. Donc. Vous pouvez aller voir, rien de mieux qu'une définition d'une association par le site même de l'association. Je vous laisse tous bien tapoter, s'il vous plaît. Hein. Donc l'UNRWA, ça veut dire United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Donc en fait, comme on dit, c'est une branche de l'ONU, hein, United Nations. D'ailleurs, le signe de l'UNRWA, c'est le signe de l'ONU. Une agence de travail pour les réfugiés en Palestine, bon, une Est, ça veut dire dans l'Est proche. Il n'y avait pas vraiment de traduction géniale en français. Donc ça avait été créé. Normalement, establishment. Alors voilà, ça avait été créé dans les années 40, notamment surtout le 8 décembre 1949. Pour les programmes à la base, juste pour les réfugiés, pour les camps de réfugiés. Ils ont commencé leur opération le 1er mai 1950. Near East, Proche-Orient, ouais, ok, sapristi, Near East. À l'absence de solution au problème, l'Assemblée a répété le mandat et il a étendu jusqu'en 2026. Donc ça fait depuis 1950 que cette agence existe. En gros, c'est la seule, il faut se préciser, ils le précisent eux-mêmes, c'est la seule agence de l'ONU qui soit spécialement dédiée à la Palestine, aux réfugiés de la Palestine. Il n'y a pas dans d'autres endroits de guerre ou au niveau de crise humanitaire, une sous-couche d'UNRWA, enfin un sous-type comme l'UNRWA, par exemple, je dirais en Europe de l'Est ou en Afrique. Bon, ça, c'est quand même important de le préciser. J'ai enlevé le filtre parce que le petit garçon, il a du maquillage. Voilà, normalement, c'est officiellement pour contribuer au bien-être et au développement humain de quatre générations de réfugiés qui sont définies comme des personnes dont la place de résidence normale, habituelle, était la Palestine durant la période du 1er juin 1946 jusqu'au 15 mai 1948. C'est comme ça la définition, hein, pour être un réfugié. Et ceux qui ont perdu leur maison. En résultat, en tant que résultat d'une résultante de la guerre de 48, donc après la proclamation d'indépendance.
Les descendants des réfugiés, mâles, bon ça c'est bizarre, bon, c'est un peu sexiste, on y dit les réfugiés, mâles, incluant les enfants adoptés, sont aussi éligibles pour l'enregistrement. Voilà, donc les descendants, les enfants, etc., restent éligibles pour être considérés comme réfugiés et faire partie du programme de l'UNRWA de protection, entre protection entre guillemets et d'aide financière. Les services d'UNRWA sont available to all, tous les espaces de opération, donc vous regarderez si ça vous intéresse, les différents camps, etc., qui rencontrent cette définition, qui sont enregistrés à l'agence et qui demandent de l'assistance. Donc quand l'agence a commencé les opérations en 1950, elle répondait aux besoins d'environ 750 000 Palestiniens réfugiés. Aujourd'hui, c'est 5,9 millions qui sont éligibles au service de l'UNRWA. Voilà, bon, on va pas tout faire, je ne vais pas vous faire un cours sur l'UNRWA en entier, après on va aller sur les accusations essentiellement. Mais bon, les développements, c'est essentiellement les écoles, ils payent aussi des hôpitaux, des soins, etc., etc. Après, eux, vous pouvez aller voir comment ils sont fondés, l'argent. Il y a beaucoup de débats sur d'où provient l'argent et surtout d'où il provient, déjà, qui le donne, et ensuite, quand ils l'utilisent, comment. C'est ça, les accusations. C'est-à-dire qu'ils ramassent énormément d'argent, on va regarder ce qu'ils disent, hein, des dons, etc., et même beaucoup, beaucoup de pays européens, et etc. Vous voyez, les top government donors, les gouvernements qui donnent le plus, USA, et, Europe, France... Bon, voilà, je vous les montre, Japon, etc. Des partenaires privés, 56 millions en 2023. Bon, c'est des sommes énormes. Ensuite, eux, ils nous disent how we spend the funds. Okay, après, vous verrez les accusations. Éducation, essentiellement. C'est très important. Vous vous rappelez que je vous avez fait un live sur l'éducation et comment l'UNRWA avait trafiqué, il y avait des choses très antisémites, très l'apologie du terrorisme dans l'éducation, dans les livres. Vous vous rappelez, ça ne va pas être le sujet du live, mais je vous rappelle qu'on l'avait déjà fait. Il y a vous irez voir sur Internet, les livres, les teachers, les profs, ça les profs, on va en parler, les profs qui sont liés au Hamas, par exemple, etc. Donc 58% quand même part dans les écoles et dans tout ce qui est éducation. La santé, 15%. Les services de support 13, les services sociaux 6 et les infrastructures et camp improvement. Donc tout ce qui est amélioration des infrastructures, j'imagine les immeubles, les camps, etc., 4%. Voilà, voilà. Alors, donc ça c'était leur définition à eux, vous pourrez retourner la voir si ça vous intéresse. Maintenant, le grand problème, c'est que depuis le 7 octobre, je vais vous trouver la plainte. Hop. Il y a eu des accusations comme quoi l'UNRWA, il y avait des employés, un certain nombre d'employés qui avaient participé au 7 octobre. Ça, c'est la première des accusations. Alors, je vais trouver votre rapport. Hop. Alors, bon, ça, c'est la fiche d'info. Attendez, je suis désolée, je galère un peu, j'en ai tellement. Ok, c'est bon. Donc, les accusations, elles ont été faites assez rapidement par Israël pour différents sujets. On va aller les voir en détail. Il y a un rapport qui a été remis le 9 avril 2024, qui avait été envoyé directement, tiens, à côté de chez moi, à Genève, parce que le bureau le plus important mondial, bien sûr, c'est à Genève. Et ça s'appelle le rapport United Nations Watch. Donc vous pouvez le télécharger si vous voulez sur leur site, ou vous notez ce titre-là sur Google. Si vous voulez suivre le live, vous pouvez le télécharger. Hello. Il y a 25 pages. Je vous invite bien à tapoter, s'il vous plaît, partager aux gens. C'est important, c'est un live qui est assez important sur l'UNRWA. Je ne vais pas le refaire non plus, il n'y en aura qu'un là-dessus. Donc c'est rapport du United Nations Watch à l'intention du groupe indépendant et d'évaluation de la neutralité de l'UNRWA. Donc UN Watch, si vous voulez, on peut aller voir qui c'est, mais comme on dit Watch, c'est la surveillance. Donc c'est une organisation de surveillance de la neutralité de l'UNRWA, etc. Et ils ont différents critères pour vérifier si leur travail est neutre, si où vient l'argent, s'il y a de la corruption, toutes ces choses-là. Donc voilà, on va aller voir, on ne va pas tout lire, mais il y a énormément de choses à dire, comme ça vous comprendrez les accusations qui ont été faites. Puis après, on ira voir la réponse de ce qu'a fait l'UNRWA et l'ONU. Voilà, la réponse à ces accusations, en sachant que là, je vous spoil, la réponse n'est pas publique. Autant l'UNRWA, l'UN Watch, etc., c'est ouvert, tout le monde peut la lire, d'ailleurs c'est en français, ça c'est cool, bon, comme c'est un rapport à Genève, forcément c'est en français, je pense qu'il existe aussi en anglais.
Mais la réponse officielle intermédiaire, notamment, il y a des journalistes qui l'ont reprise pour dire que non, ils ne rentraient pas dans les critères, mais elle n'est pas publiée. Donc on lira par contre, nous, une autre réponse de l'UN Watch et d'Israël et, à cette réponse. D'accord. Donc, on y va. Donc, vous cherchez toujours pour savoir si les organisations sont neutres, est-ce qu'elles publient ou pas leurs sources. Ça, c'est déjà un bon argument. Alors, on va commencer. Énormément de choses à dire dans des sous-chapitres. Hein. Donc, il était destiné au groupe d'évaluation mis en place par l'UNRWA. Il a été rédigé malgré les objections fondamentales formulées par UN Watch en ce qui concerne les compétences accordées au groupe, ses conflits d'intérêts et sa composition biaisée. Il résume les recherches et les rapports sur la promotion, l'encouragement et le soutien généralisé au terrorisme de la part du personnel de l'UNRWA, des lettres et des avertissements répétés à l'ONU et à l'UNRWA et les réponses de l'UNRWA qui consistent en un refus répété de répondre aux avertissements. Je vous rappelle quand même, là, c'est pas dans, je crois, je sais pas si c'est dans ce rapport où il y a des caches d'armes, vous irez voir, c'était peut-être après avril où ils ont trouvé carrément des sites de l'UNRWA avec des armes et des armes dedans du Hamas. Quel organisme magnifique. Ah oui, ouais, des millions. Dites-vous bien que les Européens et les Français ont envoyé des millions de vos impôts à cette UNRWA. Hein. C'est ça qui est encore... C'est ça qui est encore pire, quoi. Alors, l'incapacité de l'UNRWA à prendre des mesures significatives depuis 9 ans démontre que l'agence est peu disposée à agir de façon systématique contre le soutien au terrorisme omniprésent et enraciné chez ses employés. Vous vous rappelez qu'en Palestine, enfin ce qu'on dit la Palestine, de Gaza, le terrorisme est ancré jusqu'à la moelle. Donc les gens ne comprennent pas la situation locale, comment ça se passe. Ils pensent qu'on envoie des aides humanitaires et que c'est bisous, oui, oui, c'est faux. Vous allez voir dans le rapport que chaque le Hamas a tellement d'emprise, il a incrusté la société complète de Gaza, que c'est compliqué d'agir sans terrorisme. Donc même les médecins qui vont là-bas, etc., ils sont tous plus ou moins complices. Ah, Fondier, bon, c'est pas le sujet, Fondier. Ouvre tes yeux sur la réalité, ça fait mal, hein. Allez, on continue. Le rapport détaille les liens profonds de l'UNRWA avec le Hamas depuis des années. On va vous expliquer tout ça. Et le rapport précise l'objectif principal de l'UNRWA, de promouvoir le récit du droit au retour, perpétuant les griefs, la haine et la guerre. Contrairement à l'objectif de réinstallation affiché à la base. Ok. Donc, depuis 2015, UN Watch mangarde l'UNRWA contre le soutien au terrorisme. Août 2015. Nous avons documenté plus de 184 d'incitations au terrorisme, à l'antisémitisme par les employés de l'UNRWA sur Facebook et Telegram dans 11 rapports distincts, tous fondés sur des informations publiques. Certains des exemples les plus flagrants. On ne va pas pouvoir les lire, vous irez voir, vous irez charger vous-même. Voilà, rapport par exemple de septembre 2015, il nous balance, hein, il y a tout, hein, il nous balance le nom. L'enseignant publie une caricature antisémite montrant des juifs ultra-orthodoxes grossièrement stéréotypés avec des griffes et des papillotes se ricanant du sort de bébés palestiniens en train de brûler. Tiens, vous voyez, c'était pas encore le 7 octobre, ils étaient déjà en train d'accuser des choses avec des bébés. Hein. Ouel Salou, employé, se réjouit de l'enlèvement et le meurtre de 3 adolescents israéliens en juin 2014. Ça, c'est qu'un exemple, hein. Mais vous irez voir ce rapport. Octobre 2015, glorifie la vague d'attaques palestiniennes à l'arme blanche contre les juifs israéliens avec une caricature d'un palestinien masqué jouant de la musique sur un couteau géant. Annie Ramani, employée, publie une image violente d'un palestinien vêtu d'un kéfier sur le fond du dôme d'un rocher, tenant un couteau ensanglanté avec le drapeau palestinien et la légende « Poignarder les chiens sionistes ». Vous savez quoi, je sais pas si je peux l'ouvrir. On va juste aller voir s'il y a la photo, comme ça vous verrez un peu le genre de truc. Les prochaines personnes qui me disent, mince, j'arrive pas, attendez. Prochaines personnes qui me disent que nous, que moi je mets une caricature, je sais pas quoi, sur mon live, je vous renverrai à leur caricature à eux. J'arrive pas, j'ai peur que ça fasse. Vous pensez que ça va faire sauter si je. Ah ouais, bon, bref. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc ça, c'est le lien. Ah, c'est stable, oh punaise, l'image de malade mental. Project Support Assistant, ok. D'accord, donc ça c'est ça, c'est cette image-là. Je vais l'enlever parce que voilà. Stab Zionic Dog, ok? Je ne vous le traduis pas. Ok, bon, on continue. Tapotez s'il vous plaît. Les modos, vous avez le Fauda, tu peux muter les protéros ici parce que j'en peux plus. On continue. Novembre 2015. Bon, je ne sais pas si vous voulez tous, vous irez voir. Ce ne sont que de l'apologie des différents employés de l'UNRWA. Successifs, donc 2015-2017. Ghanem Naïm voue un culte au merveilleux Hitler. Il admire Hitler et poste sa photo avec une citation.
J'aurais pu pragmatiser tous les J du monde, mais j'en ai laissé quelques-uns pour que le monde sache pourquoi je les ai tués. Regardez, ça ce sont des employés de l'UNRWA, hein, tout simplement. Hein. Donc il y en a encore. Hein. Je ne vous lis pas tout. Il n'y a que des références horribles avec le H, etc. 2019, Moudala Louz, directeur. Regardez, le directeur enseigne aux enfants qu'il faut détruire Israël. Naed Charaoui, enseignant de mathématiques, publie une vidéo du H le décrivant comme un philosophe inspirant. Fanzi, t'es en PLS ? Je m'en fous. Alors, vous pouvez le trouver sur UN Watch. En fait, je vais te redonner le nom. Si vous notez sur Google « rapport United Nations Watch à l'intention du groupe indépendant », tu mets « rapport United Watch UNRWA » et tu le retrouveras sur Google, le lien. Donc, je continue, je vais vous passer, mais il y a énormément de liens. Là, jusque janvier 2024, ils ont compilé, en sachant que ce rapport est sorti en avril et que depuis avril, il y a encore énormément de choses. Je vous mets juste ce qui s'était mis en garde contre 30 auteurs d'infraction. Vous pouvez aller le rechercher, comme ça, vous l'aurez à analyser. Hein. Isra Abdul Karim Mecher, enseignant, se réjouit du massacre du H le 7 octobre. Dieu est le plus grand et déclare le temps d'Israël est résolu. Donc c'est un peu le genre de truc qu'on entend hein, actuellement. Vassem Abouela appelle à pragmatiser les Israéliens. Donc que des appels au meurtre, hein, tout simplement. Et un autre enseignant, fait le massacre du Hamas. Ça, ce sont des enseignants qui sont des mecs de l'UNRWA, des directeurs, etc. Comment vous voulez, moi c'est ma remarque personnelle, comment vous voulez que les enfants soient élevés correctement, ne soient pas considérés comme des futurs terreaux avec des enseignants comme ça. Fondi, l'ONU ment, tu vas voir. Attends le live. Débouche tes oreilles et ouvre tes yeux, tu vas voir. Coucou Moïse. Allez, on continue. Donc ça, j'ai passé. Vous irez voir vous-même les horreurs. J'ai pas envie de tout citer. La promotion du terrorisme est largement répandue. Il ne s'agit pas de quelques pommes pourries, comme on essaye de nous faire croire. Vous verrez dans les rapports. Coucou. Dans les rapports et ce qu'ils ont fait après ça. Je vous spoil un peu. Ils ont licencié les 7 personnes, soi-disant que 7 personnes qui ont participé le 7 octobre, alors qu'on sait qu'il y en a énormément. Vous allez voir les nombres. Et ils se sont lavé les mains en disant « Oui, oui, non, mais les quelques responsables de chez nous, on les a licenciés, on tourne la page. » Vous voyez les mensonges. Alors, les recherches du UN Watch ne saisissent qu'une infime... Je vous invite encore à tapoter parce que c'est un sujet très délicat. Vous savez bien que les haineux sont toujours de sortie quand on dit la vérité. D'ailleurs, après, je ferai monter un par un si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit parce qu'il y a énormément de dossiers. Puis vous pouvez bien sûr télécharger et le lire avec moi, ou si vous avez d'autres infos, vous pouvez monter. Donc, les recherches ne saisissent qu'une infime des infractions de violation de neutralité. Bon, là, ils sont gentils en disant infraction de neutralité. Là, c'est juste de l'apologie et de l'appel à la haine et au meurtre. C'est pire que de la neutralité, c'est ignoble. Je pense que nous, chez nous, on a pas ce genre de choses, c'est incroyable. En effet, nous n'avons pas accès à la liste complète des employés de l'UNRWA, ni à celle de leur profil ou leur activité sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de sa formation, ils ont fait une formation sur les réseaux sociaux et la neutralité. Il a conseillé à ses employés de rendre privé leur profil sur les réseaux sociaux. Non, mais vous voyez ? Ce qui revient à leur dire de dissimuler leur message d'incitation au terrorisme ou à l'antisémitisme, ce que l'agence qualifie de violation de la neutralité. D'accord. Donc en fait, l'UNRWA dit à ses employés, vous mettez tout en privé et puis quand vous êtes entre vous, vous avez le droit d'y aller, quoi. De plus, UN Watch n'a pas accès aux activités que les employés de l'UNRWA effectuent dans les salles de classe. Oui, on ne peut pas espionner. Hein. Bref. Malgré tout, ils ont pu identifier 184 d'incitation au terreau et à la haine antisémite par des employés. Si UN Watch avait accès aux listes de tous les employés, à leur profil sur les réseaux sociaux et les activités, il apparaîtrait certainement des milliers de personnes. Il y a un canal Telegram, je ne sais pas s'ils vont le citer, mais je vous invite à aller voir sur Internet, un canal Telegram qui a été débunké, où il y avait justement tous ces employés-là, avec tous les messages. Voilà. Donc, il y a 30 000 employés. Aucun n'a réagi sur les réseaux sociaux pour condamner les publications des collègues promouvant le meurtre des Juifs. Au contraire, les seules réponses connues approuvant les messages. Regardez. Monsieur a liké en faveur du négationnisme. Il n'y a que des likes. Hommage à H. Monsieur a approuvé, machin. Bon, bref, il y a tous les noms, hein, vous voyez. Des employés, donc personne ne s'est révolté contre ça, c'est terrible.
Plusieurs éducateurs de l'UNRWA ont été suspendus pour leur soutien ou leur implication directe. Au lieu de les condamner, les collègues se sont ralliés à ces partisans, organisant des manifestations et des rassemblements de solidarité, fermant les services de l'UNRWA et exigeant la réintégration de leurs collègues. Vous voyez comment ça fonctionne là-bas ? 8000 enseignants de l'UNRWA se sont mobilisés pour Soual Alindi, directeur d'école, directeur du syndicat de l'UNRWA à Gaza et membre du bureau politique du Hamas. Ouais, alors voyez tout de suite le lien, hein, ce gars-là, il est directeur de l'UNRWA et membre politique. Donc comment c'est possible que l'UNRWA continue à jouer quoi que ce soit, en sachant le Hamas ce qu'ils font ? Je ne comprends pas les Européens et l'ONU qui continuent. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a une facette officielle de l'ONU qui soutient le Hamas, via par exemple ce directeur, via tout ce qui se passe. En septembre 2011, l'UNRWA a informé Soual Alindi, directeur du syndicat des enseignants, qu'il serait suspendu pour 3 mois sans salaire en raison de ses activités politiques. Bien fait. C'est-à-dire ses activités au sein du Hamas, notamment sa rencontre avec le dirigeant Ismaël Haniyeh. Le porte-parole du Hamas a condamné ces décisions et a menacé l'agence que le syndicat, qui représente 8000 enseignants, agirait pour gêner l'agence. Vous voyez la liberté d'expression ? Comment ils sont, ces Palestiniens ? Vous imaginez ? Et c'est ce qu'ils essayent de faire chez nous, en France. En fait, en France, c'est exactement, si vous faites le parallélisme dans cette manière de faire avec les universités, on vous a fait un live hier, c'est-à-dire qu'il y a des lois, ils n'obéissent pas, et ils font grève, non seulement ils font des troubles à l'ordre public, c'est la même manière de faire, vous voyez ? Et d'ailleurs, ceux qui invitent à la grève, ce sont des gens de même bord idéologique que ceux du Hamas. Hein. Pendant les 3 mois de suspension d'Alindi, de septembre à décembre 2011, le syndicat du personnel de l'UNRWA à Gaza a organisé une vaste campagne de protestation et a fait fermer à plusieurs reprises les écoles de l'UNRWA dans la bande de Gaza. Donc en gros, c'est les enfants qui ont pris. Déjà, je pense que l'éducation, ça doit être compliqué là-bas, mais en plus, ils ont fermé les écoles. La campagne a entraîné la fermeture de 243 écoles et 8000 enseignants se sont mis en grève, affectant 220 000 écoliers. Compte tenu de la politique tolérance zéro de l'UNRWA à l'égard de la haine, on aurait pu s'attendre à ce que les enseignants de l'UNRWA soient choqués et indignés d'apprendre qu'un directeur d'école étaient des membres actifs du groupe terreau. C'est le contraire qui s'est produit. Ils se sont ralliés à Alindi et l'ont même récompensé en le réélisant président du syndicat des employés de l'UNRWA à Gaza en 2012. Incroyable, hein ? On continue. C'est incroyable. À l'époque, l'UNRWA aurait dû enquêter sur tous les employés ayant participé aux manifestations pour violation de la neutralité en soutenant un membre du Hamas. Pourtant, aucun n'a fait l'objet d'une enquête ou de mesures disciplinaires. Il convient de souligner que la conseillère juridique de l'UNRWA à Jérusalem était antisémite. Ben, sans grande surprise. Hein. Il s'agit de l'actuelle rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, Francesca Albanese, qui vient de publier un rapport accusant Israël de génocide à Gaza et nie les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Bien sûr, vous voyez les enquêteurs, qui sait ? Bien sûr. Alors, la boucle est bouclée. Tapotez, s'il vous plaît. Les modos, vous pouvez muter Pouty Shop, qui fait l'apologie du H. Alors, on continue. Je passe. Il y a énormément de documents, de renseignements sur la grève des 2000 enseignants. Donc, c'était le mois dernier. Donc, ça, c'était. L'article est sorti en avril de cette année. Donc, je pense que c'était en mars. L'ensemble du système UNRWA au Liban, tiens, a soutenu 2 enseignants de l'UNRWA sanctionnés pour violation de la neutralité, Fatih Al-Sharif, directeur du syndicat des enseignants au Liban, et Raif Alama, directeur adjoint du syndicat. Il a été suspendu pendant lui aussi 3 mois en raison de ses fonctions de direction. Ok, donc lui aussi. Donc à Beyrouth, il y avait 100 de personnes le 27 mars. Donc c'est à 2 reprises hein, que ça s'est passé, ces choses-là. Hein. Mais oui, Mea Farid, t'es résistant en tuant des gens et en étant un terreau. Tu résistes pas, t'es juste horrible. Donc, ils iront tous en enfer, ces terreaux. Ils vont tous cramer en enfer. Alors, on continue. Si vous n'avez que ça à dire, les gens, dans les commentaires, honnêtement... Alors, tous, ils ont soutenu leurs collègues. Donc, c'est la même chose. Vous irez voir, hein, ça, c'était en mars. Les étudiants de l'UNRWA soutiennent les messages violents de leurs enseignants. Comme l'a démontré l'étudiante Al-Sharif, citée ci-dessous, faisant l'éloge de son professeur du Hamas. Les étudiants de l'UNRWA ont approuvé les messages violents des professeurs sur Facebook. Par exemple, il y avait un message violent d'un étudiant de l'UNRWA qui avait tagué son professeur
Sachant apparemment son professeur l'a pouvré de la même manière. Ah oui, ils l'ont tagué, ok. Donc ils ont trouvé tout leur truc sur Facebook. Donc l'UNRWA n'a pas enquêté sur les employés, en plus les a laissés bloquer les écoles. On continue, je passe. Alors, la réaction de l'UNRWA aux avertissements d'Owen Watch prouve l'absence systémique de réponse aux graves allégations de soutien généralisé. Donc parce qu'il faut savoir que UNWatch, vous allez voir, ils les ont contactés un certain nombre de fois pour leur dire non, non, là il y a ça, il y a là ça, ils leur ont envoyé les documents à chaque fois. Donc déjà, ils ont refusé de rencontrer l'UNWatch ou de s'engager à ses côtés. Donc au fil des années, c'était depuis 2015, ils ont envoyé des rapports au secrétaire général de l'ONU et au commissaire général de l'UNRWA et demandé la tenue de réunion pour discuter de l'état des recherches. Donc ça, c'était à Genève. Dans 99% des cas, seul le silence a répondu à nos demandes. Ah, vous voyez l'honnêteté, quoi. Ça, c'est pas possible pour un organisme comme l'ONU. Nous avons reçu une réponse du représentant à Washington dans laquelle il persistait à défendre l'approche de l'UNRWA, refusait de s'engager de manière constructive et ne répondait pas à notre demande de réunion. Vous allez voir toutes les fois où ils les ont contactés, hein, avec les preuves. Hein. Et en plus, vous pouvez cliquer à chaque fois, vous avez les rapports. Je ne vais pas faire ça, mais... Donc, 23 août 2015, une lettre, un rapport, malin, 2015, voilà, on passe, mais ils ont été relancés. Sur chaque élément. 3 octobre 2021, Hillel Neuer témoigne à l'UNHRC au sujet des enseignants antisémites de l'UNRWA. Il y a une vidéo apparemment. Le président a interrompu notre discours en disant qu'il contenait des remarques désobligeantes, insultantes et pouvait enflammer la situation. Vous voyez, ils ne les font même pas parler, UN Watch. C'est incroyable. Donc vous irez voir la vidéo. Moi, je ne peux pas, ça va faire sauter le live, sinon, mais vous irez voir les liens. Lettre au commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, demandant un dialogue direct. Pas de réponse. Après, vous étonnez que Bibi, il n'en puisse plus de ces gens. Vous vous étonnez. Rapport envoyé au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et au secrétaire général, patati patata, on avance. Donc, en tout cas, jusque février 2024, aucune réponse. D'accord ? Demande de réunion ignorée, aucune réponse, aucune réponse. Bonjour tout le monde. Fonzi. Je te mute. J'ai déjà fait un live sur le droit international. Tu n'as pas écouté. T'es un mauvais élève. Je te mute. J'ai déjà fait un live et j'ai traduit les choses au niveau du droit international. Si tu n'es pas capable de parler anglais et de savoir réfléchir ou d'avoir un certain niveau pour comprendre ce que c'est la CPI, tu restes à ta place. Salut, 6 mois. L'UNRWA. Alors, on continue. Donc, l'UNRWA attaque UN Watch pour ses avertissements. Donc, du coup, non seulement ils n'ont pas répondu à leurs lettres, mais en plus, l'UNRWA les a attaqués. Donc, y a énormément de choses, vous irez voir, dans lesquelles, bien sûr, l'UNRWA dit que l'UN Watch ridiculise, coup d'épée dans l'eau, ne transformez pas les allégations de UN Watch sans fondement concernant l'antisémitisme, alors que vous avez vu les documents qu'ils ont donnés, quand même. C'est des publications des gens connus, enfin, des gens qui sont reconnus comme travaillant à l'UNRWA, il faut arrêter, les preuves sont formelles. Donc l'UNRWA est consternée par l'article publié dans le Bild et par la tentative de zapper à partir de fausses prémices les efforts qui visent à préserver la dignité de 5,3 millions de personnes en profonde détresse. Oui, voilà, toujours les ouin-ouin. Bref, vous irez voir tout. C'est la guerre entre l'UNRWA et l'UN Watch. Hein. Mais allez voir les documents et puis tout est noté. À chaque fois, vous pouvez cliquer là pour aller voir. L'UNRWA et les États donateurs ont ignoré les recommandations du UN Watch sur la façon de mettre fin au soutien au terrorisme. C'est là aussi où ça devient intéressant. Je vous ai montré au début du live, en vous expliquant ce qu'était l'UNRWA, les États donateurs. Vous saviez qu'il y avait les États-Unis, et la France et l'UE en particulier. Hein. Donc, ils ont complètement ignoré les recommandations détaillées sur la manière dont devaient être traitées les violations de la neutralité. Ces recommandations s'adressent aux États donateurs. Recommandations. Qu'est-ce qu'ils disaient ? L'UNRWA devait mettre en œuvre sa politique déclarée de tolérance zéro à l'égard des employés qui insistent au racisme ou au meurtre. Les licenciant immédiatement et en publiant de manière bien visible sur le site internet et les réseaux sociaux ces mesures, ainsi que les 10 autres dispositions pour éradiquer ces comportements insidieux. Action mise en œuvre, aucune. Mais ça, c'est la moindre des choses en fait qu'on attendrait de l'UNRWA. T'as des employés qui appellent au terreau et qui appellent à la pragmatisation de tout un peuple. Excusez-moi, virez-le et publiez-le et faites le ménage, les gars. Enfin, recommandation numéro 2. Les donateurs devraient lancer de concert avec d'autres États partageant les mêmes idées une enquête indépendante et impartiale afin d'examiner la nature et l'étendue de l'incitation à l'antisémitisme et au terreau parmi les enseignants et autres membres du personnel de l'UNRWA, ainsi que les matériels pédagogiques de l'UNRWA.
Je vous avais montré, hein, on avait déjà fait un live sur tout ce qui était livres, etc., antisémites, haineux, apologie au terreau. Et recommander des mesures correctives. Action mise en œuvre, aucune. Non, mais regardez ça. Oui, dans l'ONU, il y a des terreaux. Bah, c'est ça. L'UNRWA, je vous ai expliqué, c'est une sous-branche de l'ONU. Hein. Donc là, on est en train justement d'aller dans les détails pour vous prouver, A plus B, ce qu'Israël dit depuis je sais pas combien de temps et que personne n'écoute, quoi. Surtout pas eux. L'UNRWA devrait expliquer pourquoi certains employés identifiés dans les rapports du UN Watch ont été placés en congé payé plutôt qu'en congé sans solde et donner ses critères pour déterminer si un employé qui incite à la haine antisémite ou au terreau reçoit un avertissement et est licencié ou fait l'objet d'une autre mesure. Ouais, bon, en gros, ils en avaient rien à foutre, hein, pour traduire. L'UNRWA devrait divulguer publiquement les noms et les attestations de réussite de ce qu'ils considèrent comme une formation obligatoire pour les enseignants sur la neutralité, la non-violence, la tolérance et la résolution du conflit. Bah, lol. Bref, les autres recommandations, divulguer quelle personne identifiée, etc. Bon, je ne vais pas tout vous lire les recommandations, mais en gros, c'est vraiment des choses pour éviter justement cette haine et cette apologie du terrorisme. Le Hamas, il est présent en France. Exactement. Exactement. Le Hezbollah, le Hamas. Ben malheureusement, les Français s'en rendront compte dans quelques mois. Hein. On tire la sonnette d'alarme, on tire. Mais vous savez, j'arrête pas de vous le dire. Hein. J'arrête pas de vous le dire qu'ils sont présents, ils ont des armes et ils vont en découdre très bientôt. Bref, alors on continue. Tout le monde est instrumentalisé. Non, pas tout le monde, t'inquiète pas. Bon, il y a des autres recommandations du One Watch qui sont justement, par exemple, à propos des donateurs, pour qu'ils respectent les obligations de neutralité, etc. Ou demander à l'UNRWA de cesser de diffamer UN Watch, voilà, parce qu'ils sont aussi. L'UNRWA est complice du terreau djihadiste. Ça, c'est un chapitre assez important. Laissant de compter la question de l'antisémitisme et du personnel de l'UNRWA et du soutien au terreau, on va parler des complices du Hamas et du djihad islamiste, le J, je vais vous l'appeler le JI, palestinien. Depuis janvier 2014, plusieurs révélations intéressantes ont eu lieu sur les liens profonds de l'UNRWA avec le H. Alors, au moins 14 employés de l'UNRWA ont participé au massacre du 7. En sachant qu'il y en a que, je vais vous trouver, hein, il n'y en a que 7 qui ont été condamnés. 9 employés. Voyez, ça c'est un, je vous ai trouvé un autre article de l'ONU du 5 août. L'ONU a annoncé lundi que 9 employés travaillant pour l'Agence pour les réfugiés palestiniens seraient licenciés. Donc en fait, grâce au travail de l'UN Watch, ils ont licencié 9, mais il y a rien de plus, hein. Ils n'ont rien fait de plus par contre. Vous voyez? Ils ont juste licencié et ils ont dit non, mais mesdames, messieurs, c'est tout bon. Attendez, il faut que je vous retrouve l'article maintenant. J'ai perdu ma page. Voilà. Vous voyez comment ils gèrent les choses? Le 29 janvier 2024, le Wall Street a publié un article citant les services de renseignement israéliens, révélant qu'au moins 12 employés ont directement participé, directement, hein, et que 1200 employés de l'UNRWA à Gaza sont des membres du Hamas et du GIP. Et 6000 autres ont des parents proches qui sont affiliés. Donc, en gros, très très englué dans le terreau. Hein. En février, Tsahal a identifié l'un des 12 employés de l'UNRWA comme étant Faisal Ali Moussalem Annami, que l'on voit sur une vidéo en train d'enlever le corps sans vie de l'Israélien pragmatisé Yonatan Samerano. En mars, Tsahal a publié les enregistrements de deux autres employés de l'UNRWA ayant participé au 7, portant le nombre d'employés de l'UNRWA au moins 14. L'un d'eux est Youssef Al Awajara, professeur, hein, monsieur le professeur émérite, hein, qui s'est vanté d'avoir enlevé des femmes israéliennes pour les utiliser en tant que sabaya, utilisant le mot de l'organisation terro ISIS pour désigner l'esclave SEX. C'est ce dont je vous avais parlé dans un live il y a 2 jours, un matin, quand on avait retrouvé la jeune fille qui avait été enlevée en 2014 et qui est restée enfermée à Gaza, qui avait été enlevée par ISIS, par EI. Et ce gars-là, bah, c'est un professeur, hein, monsieur le professeur. L'autre est enseignant de l'UNRWA, Mamdou Azine Ahmed Edkak, qui s'est vanté avec enthousiasme auprès de ses amis qu'il était à l'intérieur, avec les juifs à l'intérieur, et a proclamé qu'il rentrerait chez lui quand il mourra. Voilà. La réponse officielle a été la suivante. L'UNRWA n'a reçu aucune information et encore moins aucune preuve de la part des autorités israéliennes ou tout autre État membre confirmant cette affirmation. Vous voyez, ils ont répondu ça, mais en août, je vous ai montré l'article comme quoi ils en ont licencié 9. Hein. Vous voyez les menteurs? Comment ça fonctionne les menteurs officiels?
L'UNRWA a pris connaissance de cette affirmation d'abord par des médias internationaux, puis un point de presse d'une responsable du gouvernement israélien. Ou oh, alors, je suis pas sûr, je suis quasi sûr que l'UN Watch ils l'auront écrit. Hein. Vu le nombre de lettres qu'ils ont eues, faut arrêter. Hein. Ce n'est pas une réponse sérieuse de la part de l'Organisation des Nations Unies censée maintenir le principe de neutralité avec un budget annuel dépassant le milliard de dollars. Bah, ils veulent garder leur argent, hein, on a bien compris. Hein. Vous pouvez muter Kawa, s'il vous plaît ? C'est la vérité, Kawa. Il n'y a que la vérité qui fait mal. On continue. Ils ont été infiltrés par le Hamas depuis au moins 2004. Vous voyez ? Il est une autorité publique qu'il a été infiltré depuis 2004. Peter Hansen, alors commissaire général, a déclaré « Je suis sûr qu'il y a des membres du Hamas parmi les salariés de l'UNRWA et je ne considère pas cela comme un crime. » Alors en plus, il le reconnaît. Hein. Peter Hansen, bravo hein. Le Hamas contrôle le syndicat du personnel de l'UNRWA à Gaza depuis au moins 2009. Lorsqu'en février 2017, l'UNRWA a suspendu Suhail Al-Hindi, directeur d'école, ce n'était pas en raison de son affiliation au Hamas, mais parce qu'il a été élu au bureau politique. Donc il y a des gens qui ne font pas que juste participer au Hamas, mais s'il est au bureau politique, c'est-à-dire qu'il prend des décisions. Al-Hindi a finalement démissionné de l'UNRWA pour éviter d'être licencié et continue à percevoir les prestations de l'UNRWA. Ah bah, bravo le monsieur. J'espère que Tsahal ne va la dégommer ou ne va pas le louper, celui-ci. Je ne sais pas ce qu'il en est. Il a ensuite dirigé au nom du Hamas les violentes émeutes frontalières de la Grande Marche qui ont précédé le massacre du 7. Voilà, vous voyez ? Plus récemment, des responsables de l'UNRWA ont confirmé la position de l'agence selon laquelle l'affiliation des employés n'est pas considérée comme problématique. Donc, il faudrait qu'ils sachent, hein, un jour, ils disent qu'il n'y a rien, et là, ils nous disent oui, oui, il y en a, mais ce n'est pas un problème. Vous voyez le double discours ? Dans une interview accordée en 2021 à Foreign Policy, le porte-parole Tamara Al-Fahri a expliqué que l'UNRWA n'agit que lorsqu'il s'avère que ses employés occupent une position politique, ce qui signifie que l'affiliation n'est pas un problème. En février 2024, le directeur de secours de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré à Sky News : Le Hamas n'est pas pour nous un groupe terroriste, bien sûr, c'est un mouvement politique. Non mais comment vous voulez avoir affaire avec des gens comme ça ? L'ONU infiltrée jusqu'à la moelle. Je comprends pas, les gars. Tapotez, s'il vous plaît, en avance. Moi, vous savez, ce rapport, plus je le lis, plus je tombe par terre. Hein. Je veux dire, et t'as encore des gens sur Internet qui viennent nous dire « Non, mais c'est faux, etc. » T'as encore l'ONU qui continue à faire des ouin-ouin incroyables. Elle est défaillante, oui. Elle est plus que défaillante. L'ONU fait la promotion du terrorisme, alors que c'est censé combattre, quoi. Donc, Suhail Al-Hindi n'est pas le premier employé à accéder à un poste de direction au sein d'un groupe terro. Il rejoint une liste qui ont débuté leur carrière comme enseignants. Ils ont tous débuté leur carrière comme enseignants, les braves hommes. Le 14 mars. Après, on va nous dire, oui, mais non, mais les enfants, c'est des gens... Mais les enfants, ils sont infiltrés par des enseignants qui sont des terros. Dans leur tête, tous les jours, des terroristes leur disent quoi dire et leur disent qui tuer. Vous pensez pas que ça fait des enfants psychopathes ? Enfin, faut un peu que les gens, au lieu toujours de pleurer, vous réfléchissiez. Hein. Alors, ça ne justifie en rien qu'ils soient partis. Mais en tout cas, quand on voit comment ça se passe, c'est compliqué. Hein. Le 14 mars 2024, l'ancien responsable du développement des programmes d'UNRWA, Ahmad Ouedat, s'est vanté de la façon dont les écoles de l'UNRWA donnaient naissance à des dirigeants, tels que le dirigeant du Hamas, Ismaël Haniyeh, tiens, feu Ismaël Haniyeh, qui maintenant est parmi ses 72 démons, et le secrétaire général du FPLP, le docteur Tal Naji. FPLP, on vous en a déjà parlé, hein. Je vous rappelle détournement d'avion, etc. Bon, FPLP, beaucoup de rapports avec la France aussi. Ouais, alors Macron, on va en reparler à la fin. Jamel, tu veux monter ? Il boit une bière avec Nasrallah. Ouais, ils sont en train de picoler avec des 72 démons. Mais surtout, je pense qu'ils sont en train de cramer en enfer. J'espère qu'ils souffrent dans leur paradis fictif. Le FPLP est une émanation de l'organisation terro FPLP qui s'oppose à la paix d'Israël avec des liens étroits avec la Syrie. Je vous en avais déjà parlé, surtout marxiste, courant de gauche. Et il y a l'autre là qui était en prison. Enfin, je vous en ai déjà parlé du FPLP. Soutenu par l'Iran et coopérant avec le Hezbollah. Hezbollah, on fera un live spécial sur ce groupe satanique. Il a été impliqué dans plusieurs attaques contre des civils et des soldats dans les années 70 et 80 et a assumé la responsabilité d'une attaque à la roquette en 2015 depuis le Liban. Voilà, au moins on resitue un peu. Donc merci en tout cas l'UNRWA de nous former les plus grands. Ouais, je te fais monter. Alors attends.
Continue, hein, on va pas s'arrêter. S'il vous plaît, tapotez en attendant. Ça fait longtemps. Donc, Alors attends. vas-y, tu Bonjour. montes. Tu étais déjà monté Bonjour. sur mon live? Bah ouais, bien sûr, plusieurs fois, c'est James, tu te souviens pas? Non, mais je me rappelle pas des gens, tu sais, j'en ai beaucoup qui viennent, hein. D'accord, ok. Bon, je te suis depuis pas mal de temps. À un moment donné, je t'ai bloqué parce que ça m'énervait, etc. Mais en Non, fait, bah, il vous y a que êtes la toujours la vérité même. qui fâche, hein. Ouais, bah ouais, bien sûr. La vérité Bah oui. aujourd'hui, elle est extrêmement claire. Comme je t'ai dit, je t'ai bloqué parce que j'ai. Attends. Je me fous pourquoi tu m'as bloqué, je me fous de ta vie, je me fous de qui tu es. Est-ce que tu as quelque chose d'important à dire, s'il te plaît? Sinon, je continue sur le rapport parce que je pense que les gens, ils veulent plus apprendre des vérités sur l'UNRWA et sur le terrorisme que toi, monsieur Djamel, que je ne connais pas. Donc Djamel, est-ce que tu as quelque chose? Salut, j'ai fait monter aussi Oura. Djamel, dis-moi, ta vie, je m'en fous, hein. Ouais, D'accord? là, ok. Moi aussi. Moi, ce que j'essaie de dire par rapport à ça, c'est que, en fait, vous êtes tous sur les réseaux sociaux Je pense que tout le monde en... s'en fout. Ok. Alors t'es là en train de faire des Non, mais chéris attends. ouin-ouin. Donc tu vas rester en bas, chéris ouin-ouin, et nous laisser faire ce qu'on a envie sur le réseau social. On est libre. On a un téléphone. On ouvre des lives. On fait ce qu'on veut. On a accès à des documents et à des choses de journaliste. On fait ce qu'on veut. Ça s'appelle la liberté d'expression, d'accord? Donc il est parti. Bon, j'espère que c'était pas un fantôme, monsieur l'autre. T'as pas parlé? Bah écoute, apprends que chez moi. Je ne fais pas parler les idiots ou les gens qui essayent de nous interrompre. D'ailleurs, en bas, les gens m'ont dit, on n'en a rien à foutre de sa vie, on n'a pas de temps à perdre. Allez. Exactement. Donc, on continue, hein. Merci, Jamel, d'avoir brillé par ton incompétence. Alors, on y retourne. Vous pouvez tapoter. De toute manière, maintenant, je demande le vote du public à chaque fois que je fais monter quelqu'un, d'accord? Tu as vieilli en 4 semaines. Oh. Oh là là. Oh là là. Oui, j'ai vieilli. Oh. Oh oui, j'ai des rides. Oh là là. Bon, allez, on y va. Non, mais c'est quoi ces gens? Toujours attaquer. Toujours. Alors, mutez Jamel, s'il vous plaît, cassez-lui le stylo. Je vais mettre en grand, oui. Alors, on va changer la configuration parce que lui, il est venu juste pour nous faire taire. Et puis aussi, voilà, c'est mieux comme ça. On y va. On continue. Alors, on en était où? Maintenant qu'il nous a un peu embêtés. Oui, on en était là. Parmi les autres terreaux palestiniens célèbres qui ont commencé, tu peux me bloquer, Jamel, hein, si tu veux. Hein. Comme ça, au moins, tu verras plus la vérité parce que je sais que ça fait saigner des yeux et saigner des oreilles. Allez, on y va. Les employés de l'UNRWA. Alors, Saïd Siyam, commandant des terreaux du H, qui a enseigné dans les écoles de l'UNRWA des années 80 à 2003. Hein. Regardez. Il était membre du syndicat des employés arabes de l'UNRWA et diriger le comité du secteur de l'enseignement. Plus tard, en tant que ministre de l'Intérieur du H, il contrôlait également des milliers de soldats du H à Gaza et il était très craint. Le H a commémoré le 10e anniversaire de son assassinat. Alors, attendez. On va juste commémorer aussi les 10 ans de son assassinat à Saïd Siyam, hein, commandant des terroristes, une belle pourriture. Donc au moins, bravo. Bravo Tsahal d'avoir éliminé cet homme. Continue à interrompre, ça laisse le temps de pisser. Alors attendez, quelqu'un d'autre veut monter, mais pour l'instant, je ne fais pas monter. Ah, il y a Gershon. Mais Gershon, je fais monter après parce que j'ai envie que mon écran il soit grand. D'accord? Vous pouvez tapoter en bas. On continue. Zouer Al-Kaizi, professeur de mathématiques, directeur des comités de résistance populaire, responsable de l'enlèvement du soldat Gilal Shalit au cours de l'été 2006. Vous rappelez de cette affaire, hein? Et après, je crois qu'il y a eu l'échange avec de nombreux Palestiniens, etc. Mais voilà, donc URE, hein, beau professeur, hein, j'ai envie de dire bravo, bravo messieurs. Awad Al-Kit, terroriste palestinien du JI, qui était un professeur de sciences respecté et directeur d'une école. Bravo monsieur le directeur. Le jour, et qui construisait des roquettes pour le JI la nuit. Voyez, quand je vous dis qu'ils sont... Vous pouvez muter Abou Loulou? Selon le GI, il a publié un livre de 168 pages en hommage à Al-Kik. Il était le plus jeune directeur de l'histoire de l'UNRWA. Après la mort d'Al-Kik, l'école préparatoire pour garçons de Rafah, bah oui, vous savez qu'il y a une non-mixité, hein, je vous rappelle, en islam radical, les femmes et les filles et les garçons sont séparés. Hein, c'est ça, là. Mutez-le, s'il vous plaît. Voilà, merci. Après la mort d'Al-Kik Danani, donc où il avait travaillé, il a placé une note manuscrite en disant.
À qui commandant de l'unité du génie, tu trouverais désormais le paradis? Non, moi je dis qu'il est en train de cramer. L'avis a été retiré après une visite de l'agence de presse Reuters. Bah oui, tu m'étonnes. Hey, vous voyez quand les étrangers, les donateurs, il s'agit de leur cirer les pompes pour qu'ils donnent de l'argent. On retire ces choses antisémites. Mais dès qu'ils repartent, l'agence de presse, les journalistes, on la remet. Voilà, c'est ça la réalité des Palestiniens. Et là, je dis les Palestiniens parce que ne me dites pas oui, mais non, oui, mais non, mais le peuple, c'est pas ça. Bah écoutez, lui, c'est un gars du peuple hein, aussi, hein. Le personnel a déclaré à Reuters, et en plus ils forment leurs enfants, hein. Le personnel a déclaré à Reuters que les responsables de l'UNRWA leur avaient demandé de ne pas discuter des activités du CIC. Ben oui, ça fait des béni oui-oui aux Européens et aux USA pour ramasser et palper la thune, mais par derrière, ça fait tout la nuit pour construire des bombes. Bravo l'UNRWA. Issa Abd al-Hajji al-Batran, commandant du Hamas, qui travaillait comme enseignant à l'UNRWA le jour et était expert en explosifs des brigades Kassam la nuit. Ouais, toujours ça. Hein. Licencié en 2009 pour avoir grièvement été blessé dans un accident de travail du Hamas. Bravo, attendez. Allah lui a remis le destin en main. Vous voyez, quand on fait des choses de mal, ça revient. Donc le gars, il s'est blessé grièvement. Bien fait pour lui. Allez, hop, on passe au suivant. Humam Khalil Abu Malal al-Balawi, agent d'Al-Qaïda. Alors. Quand je vous dis par A plus B que le Hamas est lié à EI et Al-Qaïda, regardez, quand je vous avais dit il y a des transferts d'hommes, vous me disiez non, oui, gnagni, gnagni. Voilà, ce gars-là, c'est un agent d'Al-Qaïda, ancien pédiatre de l'UNRWA en Jordanie. J'ai du mal à comprendre comment un médecin, un collègue, enfin un confrère médecin peut être aussi agent d'Al-Qaïda et pédiatre. Ça, c'est soi-disant soigner des enfants et en même temps aller faire du terreau et tuer des gens. Bref. Donc il s'est fait exploser en pragmatisant 8 personnes sur une base de la CIA en Afghanistan. Bravo, monsieur, mon confrère pédiatre. Attendez, on va quand même l'applaudir parce que ça, c'est du beau niveau de médecine hein, humaniste. Vous avez vu, hein? Humam Khalil, ok. Franchement, eh, vous avez un enfant, vous donnez votre enfant à un gars comme ça pour le soigner, vous savez pas si vous allez récupérer votre enfant, hein? Parce qu'en fait, il va vous l'enlever, comme il est européen. C'est terrible, hein. Enfin, et après, on me dit, oui, toi, en tant que médecin, va à Gaza, va faire des trucs. Maintenant, tu vas là-bas, moi, il m'enlève. Hein. Ça, je peux vous le dire. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est pas. Non, c'est pas possible. Alors, on continue. Il n'y a pas que des enseignants. L'UNRWA produit également des étudiants. Voilà. Bah, bien sûr, ils enseignent, toute l'idéologie haineuse, elle est chez eux, et les étudiants qui en ressortent. Quand on vous dit que la société palestinienne, elle est complètement gangrenée dans la haine et la radicalisation, sais pas comment Israël va faire avec des voisins pareils. Hein. L'éducation de l'UNRWA s'est également avérée efficace en formant des diplômés qui se lancent ensuite dans des attaques terreaux, bien sûr. Les écoles produisent des terreaux palestiniens depuis le début de l'agence. Dans le livre de l'UNRWA, The War of Return, Einaf machin, Maeve Schwartz, décrivent l'endoctrinement dans les écoles dans les années 60, 70 et 80. Et comment les écoles de l'agence ont inculqué l'idée du retour par la violence. Toutes les cartes de la Palestine utilisées dans les écoles montraient l'ensemble d'Israël coloré en noir. Le système éducatif de l'UNRWA est également devenu un instrument de mobilisation de la population pour la lutte armée. Bien sûr, c'est un. Comme on dit, d'ailleurs, les SS et le H, ils avaient compris que c'est avec la Jungere, la jeunesse HI, que c'était via la jeunesse qu'on pouvait endoctriner les gens. Et d'ailleurs, les frères musulmans aussi. Eux, bon, je rappelle quand même les frères musulmans qui sont très imprégnés dans le Hamas, c'est le Hamas, hein. Mais ils avaient compris déjà aussi en Égypte, dès les années 30. Hein. Ils avaient aussi une jeunesse hitlérienne et bien sûr, ils faisaient l'apologie du H. Nous espérons mobiliser les forces bien plus fortes que les armées mises sur le terrain en 48 par la Ligue arabe, raconte un enseignant. Les auteurs du massacre olympique de Munich de 72, vous vous rappelez, on en avait déjà parlé ça, au cours duquel 11 athlètes israéliens ont été pragmatisés, presque tous élevés et éduqués dans les écoles de l'UNRWA, sont issus de cet environnement. De même, voilà, donc en fait, les sportifs ont été pragmatisés par ces gens justement qui ont été dans les écoles. Mohamed Deif, vous en avez entendu parler de ce nom-là, commandant des brigades Al-Qassem de Hamas qui a orchestré le massacre du 7. Bon,
Feu Mohamed Deif, hein, il est en train de cramer en enfer, mais bon. L'UNRWA continue d'éduquer et de former les futurs terreaux palestiniens, y compris l'auteur de la fusillade de voiture d'avril 2023, au cours de laquelle Dussidi et ses deux filles ont été pragmatisées. Alors, je fais une pause, les gars, je vais juste partager le live. Et si, est-ce que quelqu'un veut monter? Là, je fais une pause parce que après, on va parler des installations de l'UNRWA à des fins terreaux. C'est aussi tout un chapitre assez important. Alors voilà, je partage juste. Est-ce que quelqu'un veut monter? Tu vas te faire un café. Ouais, bah faites-vous un café. Est-ce que parce que tout à l'heure j'ai eu une demande, mais quand je suis lancée, je ne peux pas m'arrêter. Donc ok, il n'y a personne. Il n'y a personne. On va continuer du coup. Après, je me ferai un café aussi. Alors, l'utilisation des installations. Là, c'était ce rapport, il est d'avril. Vous irez voir, ils en ont retrouvé d'autres. Vous irez sur Internet et vous notez en anglais UNRWA, UNRWA terroriste ou un truc comme ça. Ou même en français, normalement, il y a des photos qui ont été diffusées. Notamment, je ne sais pas s'ils l'ont dit, mais au niveau du siège principal de l'UNRWA. Le 11 février 2024, Tsahal a révélé avoir découvert un centre sophistiqué de données et de renseignements du Hamas juste sous le siège de l'UNRWA à Gaza, connecté au système électrique. Le système de tunnels et le centre des données comprenaient une kitchenette et des locaux d'habitation. Il y avait également un mur avec une porte et des caméras de sécurité pour filmer les personnes entrant et sortant du complexe. À l'intérieur même du quartier général, les troupes de Tsahal ont trouvé plusieurs caches d'armes, des équipements et des documents indiquant que les bureaux étaient également utilisés par le Hamas. Ça, moi, j'ai vu les photos, hein, tournées. On pourrait aller vérifier ça. D'ailleurs, même la vidéo où ils trouvaient, ça a été fait en live, hein, histoire que les gens disent pas non, mais en fait c'est faux, etc. Le directeur de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a immédiatement réagi sur Twitter, affirmant que l'UNRWA ne savait pas ce qu'il y avait sous son siège, comme par hasard. Tu vas pas nous faire avaler des couleuvres quand même. Il y a des caméras, il y a des gens qui circulent, c'est forcé qu'ils savent, c'est forcé. Une semaine plus tôt, le Wall Street Journal avait rapporté qu'en 2014, une partie du parking du siège de l'UNRWA à Gaza a commencé à s'enfoncer, probablement à cause d'un tunnel du Hamas gazé, creusé en dessous. Donc en plus, c'était officiel, hein. Je veux dire, le Wall Street Journal, il avait déjà balancé ça, voilà. Personne n'a parlé de la cause de l'effondrement, a déclaré un ancien responsable, mais tout le monde le savait. De plus, en novembre 2021, l'ancien directeur de l'UNRWA à Gaza, Matthias Schmal, a déclaré: beaucoup de gens m'ont dit au cours des 4 années là-bas, il y a des tunnels partout et c'est une hypothèse fondée. Par conséquent, l'affirmation de Lazzarini, selon laquelle l'UNRWA ne savait pas, est très difficile à croire. Oui, bah, mensonge comme d'habitude. L'utilisation par le Hamas des installations à des fins militaires en violation du droit international n'a rien de nouveau. Lors de l'opération d'une bordure protectrice en 2014, l'UNRWA a admis à 3 reprises que des roquettes du Hamas étaient stockées dans ses écoles. Une enquête ultérieure de l'ONU a révélé que des roquettes avaient été entreposées dans des écoles fréquentées par des enfants et que des roquettes avaient également été lancées depuis les écoles de l'UNRWA. Non, mais vous imaginez qu'est-ce qu'ils font subir aux enfants? Non seulement ils planquent les roquettes, mais en plus ils les balancent quand il y a les enfants. Donc vous voyez quand même, je pense que là, il faudrait vraiment que les associations de protection de l'enfance portent plainte contre l'UNRWA. Et contre tous les parents palestiniens et tout, d'avoir laissé de la maltraitance, quoi. Pour moi, c'est de la maltraitance d'enfants. Tu peux pas impliquer des enfants dans des écoles, voilà. Et après, ils vont pleurer. Après, ils vont pleurer que les écoles sont explosées. Mais qu'est-ce que tu veux? T'as eu ce rapport? Merci de lui donner de l'écho. Oui. Ben oui. Après, j'ai d'autres sources, hein. Non, mais c'est fou. Après, ça va chialer qu'Israël dégomme des écoles. Mais si c'est des lieux d'où partent les roquettes, t'es obligé d'un point de vue stratégique de les dégommer. Enfin, et en plus, ils laissent les enfants. Et non seulement c'est eux qui sont responsables, ils font partir des roquettes alors qu'il y a des enfants sur place. Et après, ils s'étonnent que du coup Israël répond, mais à dégager vos enfants. Si vous utilisez des lieux d'école, ne mettez plus vos enfants à l'école. Protégez-les. C'est pas possible. Ah, ils vont chialer quand ce sera des écoles islamiques. Non, mais. L'UNRWA a admis avoir découvert des tunnels sous les écoles lors du conflit en mai 21. Tsahal a publié des preuves qu'il avait lancé des roquettes sur un site proche, notamment un bâtiment de l'ONU, des écoles, une mosquée et des immeubles d'habitation.
Depuis le début des combats, de nombreux cas d'opérations du Hamas dans des écoles ou à proximité ont été documentés. Des soldats ont également été ciblés par des terreaux qui attaquaient depuis des écoles. Donc dans les écoles, ils les attaquaient. Et les tunnels de terreaux du Hamas à proximité des écoles. Après, vous vous étonnez qu'il y ait des enfants qui soient touchés, mais vous imaginez bien que si les soldats ils se font dégommer par des gens de l'intérieur de l'école alors qu'il y a des enfants, vous savez ce que c'est la notion de balle perdue, hein. Enfin, si ça tire dans tous les coins, et je peux vous dire que Tsahal, ils ont des armes précises, mais par contre, les armes de Hamas, c'est des espèces de vieux machins roués, ils en ont rien à foutre de tirer sur leurs propres enfants, hein. Attention, hein. Vous avez déjà vu comment ils font pour s'entraîner et tirer? Vous irez voir. C'est donner des barbares à des barbares et des sauvages des armes enrouées, vous verrez le résultat, et ça tire dans tous les coins. Bande de sauvages. Le 18 janvier 2024, le colonel Elad Chushan, commandant de la 646e brigade de parachutistes, a déclaré: Il n'y a pas un site de l'UNRWA, une école, une mosquée ou un jardin, tout ça il y a les sources, hein, vous irez voir, hein, tous les liens, je ne peux pas tous vous les montrer, d'enfants dans lequel nous n'avons pas trouvé d'armes. C'est l'ordre de 100%. Ouais. Des informations totales? Non, non, tout est vrai. Mutez Joe, le menteur. Tout est vrai, vous irez. Hey, au moins, moi, contrairement à vous, nous, on a des sources. Je leur ai donné le lien, ils vont aller voir, on a des vidéos, on a tout. Et je ne suis ni israélienne ni juif, je précise, hein. Juste quelqu'un d'intelligent qui sait lire et qui analyse. Donc, si vous n'êtes pas content, ouvrez vos lives pour contrer. Parce que les preuves, elles sont là, hein. Les preuves, elles sont là, tout le monde peut aller les vérifier, tout le monde a un esprit, hein. Contrairement à vous. Parce que vous, comme vous êtes des islamistes, vous bouffez tout ce qu'on vous dit. Nous, on n'est pas comme ça, hein. On n'est pas endoctriné par la gangrène qui est votre islam. Alors, l'UNRWA n'est pas indépendant et se soumet aux pressions du Hamas. À de nombreuses reprises, l'UNRWA a démontré qu'il n'est pas un organisme indépendant. Il a déclaré que les frappes israéliennes étaient très précises, effectivement, non, mais c'est vrai ça. Confirmant qu'Israël ne ciblait pas les civils, le Hamas a déclaré persona non grata, forçant l'UNRWA à l'exfiltrer rapidement du territoire et lui retirer son poste. Ta ta ta. Bon, on va passer, je vais pas tout vous lire. Donc l'UNRWA cède aux pressions du Hamas, mais vous avez compris qu'ils sont ensemble. Les objectifs favorisent le terrorisme avec des liens profonds. La charte du Hamas, il n'y a de solution à la question palestinienne que par le djihad. C'est ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, le djihad judiciaire et le djihad sur les réseaux, ça en fait partie. Les islamistes qui viennent essayer de nous faire taire et qui signalent. Vous faites partie de ce djihad, hein, bravo, hein. L'UNRWA existe pour perpétuer les doléances palestiniennes de 48 en soutenant le discours du droit au retour, qui cherche en fin de compte à mettre fin à Israël en tant qu'État juif, en faisant revenir de la violence des millions de Palestiniens sur le territoire israélien, mais par la violence, bien sûr. On a compris comment il fonctionnait. Selon un récent sondage, près de 70-70% des Palestiniens soutiennent l'attaque du Hamas. Ça, faut le rappeler, hein, quand on nous dit, bon, il y a 30%, allez, on va laisser 30%. 30% qui ne soutiennent pas, et encore, voilà. Donc il y a quand même deux Palestiniens sur trois qui soutiennent le Hamas. Et leur attaque surtout, ce qui soutiennent leur attaque, c'est incroyable. L'existence de l'UNRWA a pour but de perpétuer le fantasme de retour. Donc on ne va pas retourner là-dessus, vous allez lire le statut de réfugié, ça a été vraiment documenté, etc. C'est un fantasme, ça a été repris pour justifier des choses injustifiables. Il affirme sur Internet que le traitement unique est justifié parce qu'il a pour compétence de fournir la main. Bon, j'avance. Ceux qui ne soutiennent pas sont exécutés. Exactement. Ou il y en a un qui avait été aussi tabassé. Enfin bon, laissez tomber. Donc, syndicat des enseignants au Liban. Hein, le Liban sera un chapitre spécial. Donc, conclusion, les compétences dans la ligne. Ok, bon, bah écoutez, on a déjà, je pense qu'on a tout lu. Les choses importantes, comme ça, vous avez tous les éléments et je vous invite à aller voir vous-même ce rapport. C'était du 9 avril 2024. Maintenant, hop, touc. Alors attendez, je vais juste ouvrir. Hop, j'ai plusieurs pages ouvertes, les gars. Tac. Voilà. Alors, dans les pages ouvertes, j'ai d'autres trucs à vous montrer, hein, sur l'UNRWA. Tac. Voilà. En France, qu'est-ce qui s'est passé après que on ait tout dit, hein, il y a une plainte qui a été faite en France en juillet pour crimes contre l'humanité, et notamment contre l'UNRWA surtout, avec complicité contre l'Agence de l'ONU pour les réfugiés. Mais le juge d'instruction fr français n'a pas pris la plainte. Toi, tu as compris, tu dénigres les musulmans. Ah, bah si tous les musulmans sont des islamistes, t'es le premier à faire des amalgames, on est mal barré alors.
Si tous les musulmans sont des islamistes, on devrait interdire la religion. Merci, Joss. Parce que moi, j'ai jamais dit ça et j'ai toujours fait la différence entre l'islam en tant que religion, les musulmans, le droit français et suisse d'exercer le droit de croire et de faire sa religion et de l'exprimer, et les islamistes et les frères musulmans. J'ai toujours fait la différence. Mais si toi, Joss, tu fais pas la différence, je t'invite à écrire justement aux Français, aux Suisses et là où tu habites, à dire effectivement que ben, sur Internet, quand on parle du Hamas et des frères musulmans, on dénigre tous les musulmans. Je t'invite à le faire. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'au bout d'un moment, on va finir par changer les lois. D'accord? Mais fais-le, écris s'il te plaît aux représentants français, aux politiciens, pour leur expliquer ce que tu expliques. Merci. Alors, donc le juge d'instruction français a écarté en juillet une plainte pour crime contre l'humanité et complicité contre l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'islamisme, c'est un mot qui n'existe pas. Mais alors, ça n'existe pas pour toi parce que t'en es un, Joss, et que tu considères que tous les musulmans sont des islamistes, mais excuse-moi, nous, en Europe, on fait la différence. T'es en train d'insulter, je sais pas combien de millions de personnes. Bref. Sollicité par l'AFP sur cette plainte, ainsi que sur une plainte visant un photojournaliste de Gaza, le parquet antiterroriste compétent en France a répondu qu'il a rendu deux ordonnances d'irrécevabilité conformément aux réquisitions. Donc voilà, bon, les Français n'en sont pas entrés en matière. On va pas tout lire, mais ils ne sont pas entrés en matière là-dessus. Ça, c'était en juillet. Par contre, il y a une autre plainte. Il y a une autre plainte qui a été faite, voilà, par les familles israéliennes, notamment à New York. Là, c'était en mai, mais ça a été fait à New York, déposé à New York. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais il y a 100 plaintifs, 100 plaintifs, 100 personnes qui ont porté plainte. Tu voyais filed, donc ça a été déposé dans le district sud de New York, dans lequel la partie accusatoire accuse l'UNRWA et son leadership, donc son équipe, d'aider le Hamas. Donc tout ce qu'on a dit en fait. Ça n'a pas encore abouti, mais je pense que c'est possible qu'ils soient condamnés. En tout cas, ça n'a pas été classé. Mais découvrez, sachez tout ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est les victimes du 7 octobre, Massacre for Lawsuit. Donc ça, c'est la même chose. Vous pourrez le lire en Fox Business, il y a différents articles là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé, Kamala Harris? Je vais vous le trouver l'article, attendez. Hop. Je vais vous trouver l'article, j'ai été très déçue. Que quand je vous dis Biden-Harris administration demande l'immunité pour les employés, et que ça, ils ont demandé l'immunité, ils ont demandé aussi est-ce que la plainte elle soit classée. Donc je vous ai déjà dit, Harris c'est une complice du Hamas. Hein. C'est Joss, il n'y a pas de jugement au tribunal international. J'ai déjà fait le live. Ce n'est pas un tribunal international, c'est un tribunal humanitaire dans lequel il demande surtout de relâcher les otages. Et il considère que ça ne rentre pas dans la convention de génocide et qu'il n'y a pas assez d'éléments pour parler de génocide. J'ai déjà fait un live, j'ai tout traduit, mon gars. Si tu ne sais pas parler anglais et que tu ne connais pas la juridiction et tu ne connais pas la loi internationale, tu peux te taire, Joss. Je vous ai déjà mis en PLS là-dessus. Et vous demandez à n'importe quel juriste de faire le travail que j'ai fait, il va vous dire la même chose. Donc voilà, c'est bon, on a compris. On a compris vos mensonges. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, la plainte a été transformée juste en droit humanitaire. Donc t'as rien suivi. Voilà. En gros, est-ce que quelqu'un veut monter? Après, je vais vous parler de la Bosnie. Hein. Après, on va changer de sujet, on va continuer sur l'ONU. Mais il y a aussi beaucoup de choses à dire sur la complicité de l'ONU dans le trafic d'êtres humains en Bosnie. Mais est-ce que quelqu'un, on va continuer encore un tout petit peu sur l'UNRWA, est-ce que vous voulez venir? En sachant quand même que, regardez, les Nations Unies, après toutes les preuves et tout ce qui a été donné, nous disent qu'il n'y a pas d'alternative à l'UNRWA. Ils tiennent tellement à leur argent et à ce qui a été fait depuis des années, parce que tout le monde s'en met plein les poches, que l'ONU sont capables de fermer les yeux sur tout ce qui se passe pour continuer à garder le monopole. Vous voyez? Voilà. Et en sachant qu'il y a eu une réponse, je vais vous la lire, il y a eu une réponse, j'ai pas fini, c'est vrai, hop. Il y a eu une réponse, j'arrive. Voilà. Suite au document que je vous ai montré, Magda, tu peux muter Joss, le QI à zéro, s'il te plaît. Ou alors, Joss, viens, monte me prouver que j'ai faux et après on va passer sur la réponse de l'UNRWA.
Parce que ça fait 2 heures que je vous parle des accusations et on vous donne les preuves. Je vous ai dit qu'il y a eu un rapport intermédiaire et un rapport qui est sorti, qui n'est pas sorti, qui est resté interne à l'ONU pour se défendre. Ils ont licencié les 9 personnes. Hein, c'est pas de la désinformation. Si l'UNRWA licencie ses propres personnes en ayant reconnu qu'ils ont eu un rôle dans le 7 octobre, excusez-moi, il est où le mensonge? Puisqu'ils ont été eux-mêmes licenciés, ils ont pris les mesures, ils ont reconnu ce qui avait été dit, en partie. Hein. Donc arrête. Après, on va analyser l'évaluation indépendante. C'est ça qui est intéressant, parce qu'ils n'ont pas officialisé ce rapport. Je l'ai cherché et c'est noté que ce n'était pas officialisé. Tu le démutes? Non, bah, il peut monter s'il veut, Bolos, histoire qu'on voit à quoi il. Viens, monte. Je vous invite encore à tapoter et puis après on va continuer sur les arguments qu'ils ont donnés et le fait voilà on va aller jusqu'au bout avant de parler de la Bosnie. Monte monsieur qui a pas de courage. Tu es de plus en plus belle. Oh merci Eric. Bon, allez, on continue alors. Bonjour tout le monde. Donc pour ce qui est arrivé, on avait déjà donné tous les arguments présentés par l'UN Watch en avril contre l'UNRWA. Je vous ai montré la plainte des parties de plus de 100 personnes de la famille, le classement de la plainte en France, et puis la réponse de l'UNRWA qu'on n'a pas, bien sûr, hein, parce qu'ils font tout en douce. Et donc ça, c'est toujours l'UN Watch. Ça, c'est sorti quand? Je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais il n'y a pas si longtemps, c'était la réponse. Donc rapport sur l'enquête Colonna. Donc forcément, suite au dossier que UN Watch a envoyé, hein, ils étaient obligés de faire une enquête et de répondre de manière circonstanciée. Sauf que toute cette réponse, je l'ai pas. Mais je vous avoue que ce document, j'ai pas encore eu le temps de lire. Il est là, Uni. Bonjour tout le monde. Ah, il est là. Ah oui, j'avais pas vu, il est en bas. Bonjour, Joss le beau gosse. Oui, en plus c'est vrai, je suis beau gosse. Mais je voulais savoir Non, c'est pas toi qui. pourquoi Attends, attends. j'ai une C'est pas toi qui question. réponds. Non, mais non. Ça, c'est Bah déjà, si, ça commence mal. Attends. bah. C'est pas toi qui réponds aux questions. Tu sais que c'est mon live et que moi, je suis la grande chef de mon live. Ce sont mes règles. C'est pas un live open bar. Donc, moi, le sujet, ça fait peut-être une Bah demi-heure que écoute, t'es là. Oh, coupe ton micro. Sois respectueux quand je parle. Je te pas de l'ouvre respect après. quand tu parles. Tu respectes même pas les gens qui m'ont. Coupe ton. Je m'en fous. C'est mon live. Tu respectes quand moi, je parle et je te donne la Respect. parole. Comment veux-tu qu'on parle avec toi? Bah, si tu coupes ton micro et que tu te comportes comme un homme civilisé, c'est-à-dire que nous, là, on est en train de faire de Tu la dis politique. bonjour, tu m'as pas dit bonjour, moi je suis Est-ce civilisé, que non? on est en train de faire de la politique et tu fais du ouin-ouin? Donc maintenant, je te donne la parole et je Non, te moi dis que je je ne parle réponds pas aux normalement, questions. je suis posé une simple question et t'as. What the fuck? Je ne réponds pas aux questions. Parce que tu as peur. Tu fais de la désinformation, on a compris. Allez, vas-y, vas-y, Allez, vas-y. Allez, de vas-y, la qu'est-ce qu'il y a? désinformation. Ah Allez. là là. C'est rigolo à t'écouter, tu fais des questions-réponses. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de génocide. Regardez les. Bah, il n'y en a pas, Bah, j'ai réponds à déjà ma fait une question. Il n'y a pas de démonstration. génocide pour Non, il n'y a toi? Il n'y pas a de pas de génocide. génocide? Bah, c'est pas Ah, pour ben moi. voilà. Pour Bah écoute, la moi CPI, il n'y a pas de génocide. honnêtement, c'est mieux que tu regardes Netflix que tu regardes des trucs qui veulent rien dire parce que je crois que tu sais pas ce qui se passe J'ai autour. tout analysé. Toi, tu parles de génocide. J'ai fait Ah un oui, live. mais J'ai si tout tu fais attention. traduit. J'ai tout traduit de l'anglais, Joss. N'importe quoi. Bien sûr que si. Quoi. Tu iras voir mon live. Je vais le republier. J'ai Loin de tout la... traduit. Annie, Pourquoi tu te loin de fatigues la à réalité, ma parler avec petite. Là. cette personne Ouais. qui a l'air de ne rien comprendre? Ouais, mais Allez. parce que. Allez, dégage. C'est Ah, hallucinant quand même. incroyable, hein. Comment vas-tu? Vous voyez le niveau, ça va. Et tu sais que j'ai fait 1 heure déjà sur l'UNRWA avec toutes les preuves des liens de terroristes, etc. J'ai C'est très commencé à lire le intéressant. document là que tu m'avais Ah bah envoyé. voilà, c'était C'est ça. passionnant. Tu vois, c'est ça, on l'a lu ensemble, enfin ensemble, les 40 personnes en bas. Voilà. Et en fait, maintenant, je suis en train, on va analyser la réponse. Donc en fait, comme j'ai dit, ils ont envoyé ce document, ils ont donné toutes les preuves. Et il y a eu une réponse. L'UNRWA a fait quelque chose, mais ils ne l'ont pas publié. Et du coup, ça, c'est la réponse de l'UN Watch. Pour l'évaluation indépendante, vous allez voir la neutralité. Disons Netflix, moi je n'ai pas la télé, mon gars, je n'ai que des livres, je ne fais que lire et m'informer, tu vois, contrairement à toi. Allez, on continue. Donc le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé la création d'un groupe indépendant d'évaluation dans le but d'évaluer si l'UNRWA fait tout en son pouvoir pour garantir la neutralité de ses employés et prendre des mesures lorsque des allégations de violations graves sont faites à leur encontre. Comme on vous a dit, la neutralité des employés, ça veut dire
Non, c'est en fait c'est l'inverse de l'antisémitisme et de l'appel à la haine, parce que tout ce qu'on vous avait donné comme document, c'était ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, on avait montré tout ça au niveau des employés, au niveau des professeurs, au niveau des directeurs, etc., etc. Tous des appels au terrorisme et l'apologie au meurtre. Le groupe a été constitué officiellement en consultation avec le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, le fameux. Ils ont dit que l'UNRWA était à l'origine de l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, hein, les menteurs que c'est. Donc, Lazzarini a pris la décision d'effectuer cette évaluation une semaine seulement après que UNWatch a déclenché une tempête médiatique. Parce qu'il faut savoir quand même que le document qu'on a lu, il a été diffusé un peu partout, dans tous les pays, dans plusieurs langues. Et ils avaient dénoncé l'existence d'un groupe de discussion Telegram de 3000 enseignants de l'UNRWA qui ont applaudi et célébré le massacre du 7 et appelé à la pragmatisation des Israéliens, etc., etc. Et l'éducation aussi qui était donnée aux terroristes avec les liens, on va pas revenir dessus. Donc eux étaient forcément obligés, ça a été la panique hein, au sein de l'UNRWA, il faut le dire, hein, quand t'es accusé comme ça, voilà. Même si la création du groupe est intervenue peu après que les 18 États donateurs ont suspendu, vous savez que les conséquences, c'est que il y a une suspension du financement en raison des révélations selon lesquelles au moins 12 membres avaient participé au massacre et que des centaines d'employés étaient des agents du Hamas et du djihad islamique. Donc il avait déclaré qu'il nommerait un groupe de consultants ou une entité indépendante pour examiner les allégations. Cependant, l'UNRWA a finalement choisi Catherine Colonna, ancienne ministre française des Affaires étrangères, pour diriger le groupe évaluation de recherche scandinave, Institut Michelsen en Norvège, l'Institut Raoul Wallenberg en Suède et l'Institut danois des droits de l'homme. Tiens donc, une Française. Le groupe d'évaluation a commencé ses travaux le 14 février et a soumis un rapport intermédiaire le 20 mars. Bien que le rapport intermédiaire n'ait pas été rendu public, vous voyez, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé malheureusement, parce qu'ils ne sont pas transparents. Comme d'habitude, normalement, transparent, tu le mets et tu le rends public, il n'y a aucun problème, quoi. L'ONU a annoncé qu'il révèle que l'UNRWA a mis en place un nombre important de mécanismes pour garantir le respect de la neutralité du personnel, etc., etc. Le rapport doit être rendu public le 20 avril, je ne l'ai pas trouvé, alors si quelqu'un a un lien pour le trouver, vous me dites, et il devrait parvenir aux mêmes conclusions, afin que, comme l'ONU l'avait annoncé, de rassurer les donateurs. Mais ce rapport, je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas. Les pays décideront du financement, nanani. Donc, dans les déclarations, les démocraties ont accordé la crédibilité à l'évaluation de Colonna. Bon, bien sûr, faudra vraiment qu'on voit le rapport. De nombreux pays ont déclaré que le rapport et l'enquête distincte sont essentiels pour décider du rétablissement du financement. La Grande-Bretagne, bien sûr, on sait qu'elle est encrustée jusqu'à la moelle, attend les résultats de l'évaluation, a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak, et le gouvernement décidera ce qu'il fera. L'Allemagne a déclaré, bon, je ne vais pas tout vous lire, les États-Unis, nanani. Ok. Alors, qui a-t-il choisi pour faire le groupe d'évaluation? Très important. Donc, il avait demandé une évaluation à un tiers. Il doit être suffisamment réputé et crédible pour examiner les différentes affirmations que nous devons pouvoir avoir dans les médias émanant d'individus des organisations qui attaquent. Cependant, un bref examen des personnes impliquées confirme qu'il ne s'agit pas d'observateurs neutres, impartiaux, objectifs. L'évaluation n'est donc pas crédible. Au contraire, Madame Colonna, les trois organisations et nombre de leurs collaborateurs ont déjà publié des déclarations, des rapports et des articles et ont soutenu publiquement les publications sur les réseaux sociaux, démontrant leur ardent soutien à l'UNRWA et leur ferme condamnation de toute critique. Voyez ? Dans le cas de Colonna, elle a elle-même défendu publiquement l'UNRWA et a assuré le contrôle du financement de la France en tant que bailleuse de fonds et membre du conseil de l'administration de l'UNRWA. Donc c'est quand même fort hein, de donner une enquête à une dame qui fait partie du conseil d'administration. Bravo, je sais pas KNB, qu'est-ce que tu as à dire sur cette neutralité, mais c'est... Et en fait, oui, c'est-à-dire que tu confies un poste à quelqu'un où normalement la neutralité, c'est la chose la plus essentielle. C'est-à-dire qu'avant qu'on t'engage, il faut qu'on sache déjà. C'est comme si tu disais, voilà, tu es un juge dans une affaire où il y a un criminel, et au final, le juge est du côté du criminel. C'est très bizarre. Exactement, c'est ça.
C'est ça. C'est Ça. juste une mascarade. En fait, c'est comme une mafia. Tu vois, la mafia, c'est ça, en fait. Une mafia, c'est qu'il n'y a pas de neutralité et tu vas donner ça à un copain qui va t'aider et te pistonner. Donc, corruption et mafia. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ce qu'ils font, là, l'UNRWA. Le directeur de l'UNRWA jette l'opprobre sur l'enquête en qualifiant les allégations de campagne de diffamation. Ça y est, il fait son DZ. Vous savez, les DZ sur TikTok qui n'arrêtent pas de dire c'est de la diffamation. Bah, le directeur de l'UNRWA, il fait son DZ Eh oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu t'attendrais? Tu t'attendrais à quoi au final? Il est obligé? Non, c'est pas moi, madame. C'est pas moi le responsable. TikTok. C'est ça. Et s'il tombe, s'ils reconnaissent, tout le monde tombe. Oui, mon loup. Je veux une crêpe. Je veux une bonne crêpe. Tu te la fais, loulou? Non. Bon, attends une seconde. KNB, il y a mon loulou qui veut juste que je fasse une tartine. Je mets une image et puis je te laisse parler si tu veux. Hop, j'arrive. Un temps de silence, c'est bien aussi. Ça va calmer les esprits. Voilà, je suis de retour. C'est bon. T'es là, KNB? Oui, Ouais, je vais changer, vous inquiétez pas, je vais changer. C'est juste que je m'étais absentée pour une urgence de famille, on va dire. Enfin, c'est pas une urgence, mais un petit déjeuner, si vous voulez savoir. Un petit déjeuner, mon loulou qui voulait que je fasse une tartine. Parce qu'il fait encore le doudou, quoi. Alors, je vous rechange, on va rouvrir le. Je vais rouvrir. Donc on continue sur ça et après j'ai encore d'autres choses à dire sur l'ONU, notamment en Bosnie. Sachant qu'on a bien avancé sur l'UNRWA. En 2-2, ouais, c'est ça. Hop, je suis allée lui donner vite fait. Pire, c'est qu'il sait les faire, hein, c'est un grand garçon, mais bon, laissez tomber. Les garçons et leur maman. Donc, j'avance, on va pas tout lire, hein. Aux fonctionnaires de l'UNRWA, le rapport de Colonna doit fournir une couverture. Le véritable objectif, c'est exposé porte-parole de longue date de l'UNRWA, Chris Gunness, qui a pris sa retraite après 12 ans et est revenu dans les médias pour parler au nom de l'UNRWA avec des apparitions fréquentes sur Al Jazeera et autres. Voyez les liens, on retrouve encore Al Jazeera, c'est incroyable. J'espère que le rapport externe de l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, qui sera bientôt disponible, fournira aux donateurs des arguments supplémentaires si ce nom sont dont ils ont besoin en interne pour reprendre le financement. En sachant que moi j'ai trouvé un article la Suisse veut couper les vivres. Ça c'est un article qui est récent du 9 septembre. Et j'espère que la Suisse va couper les vivres. Le Conseil national veut couper les vivres à l'agence onusienne active dans la bande de Gaza. Donc ils avaient effectivement en Suisse suspendu et là ben. Comme je pense qu'il y a pas, il y a, voilà, il y a trop de preuves malheureusement ou heureusement contre l'UNRWA, et ben les Suisses en émanant du DC, elle a été approuvée à 99 voix contre 88. Donc du coup, l'UNRWA craque. Les Suisses au moins on donnera plus un franc à cette organisation terroriste. Nous ne pouvons plus soutenir le terrorisme et l'antisémitisme, même indirectement. A défendu son auteur David Zuber-Uller. En se basant sur rapport de l'ONG UNWatch et de l'armée israélienne, l'Appenzeller reproche aux écoles de l'UNRWA de faire l'apologie du terrorisme, d'attiser l'antisémitisme et d'inciter à la violence. Son collègue a enchéri, au lieu de former des prochaines générations d'enseignants de médecins, c'est la nouvelle génération de terroristes qui est formée. Vous voyez, les Suisses, on fait toujours les choses en premier. J'espère que les Français vont suivre encore une fois. Mais je vous assure que si les Suisses y font ça, eux, il y a déjà au printemps, ils avaient suspendu, ils avaient redonné, mais il y a très peu. Et ils ont fait une très grosse enquête de où partait l'argent qui était donné. Donc vous voyez, les banques suisses, c'est très, très réglé. Et s'ils font ça, même s'ils vont peut-être pas vous balancer les sources, c'est qu'ils sont certains que l'UNRWA finance le terroriste.
Oui, j'habite en Suisse, oui. Nicolas Valder s'est opposé fermement. Bon, ben, j'ai toujours des gauchistes qui essayent de fermer. Mais disons que ils ont soutenu la campagne de vaccination à hauteur d'1 million de francs. De justifier ces dépenses concernent l'aide d'urgence, les biens de première nécessité, les vaccins, et uniquement à Gaza. Voilà. Et puis, donc voilà, mais j'espère que ça va, voilà, ils vont fermer ça et que d'autres pays vont faire, et peut-être que l'UNRWA commencera enfin à faire le ménage, quoi. Parce que. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, évidemment, les employés, majoritairement, c'est des locaux. Si, par exemple, concernant la partie enseignement, on continue à enseigner, comment tu veux résoudre un problème comme celui-là entre dans cette région? Si l'UNRWA engage des enseignants qui, eux, enseignent les mêmes programmes d'enseignement que le Hamas, qu'est-ce que tu peux t'attendre à avoir comme nouvelle génération d'enfants qui vont apprendre à avoir la haine envers les juifs? Tu peux pas Ça. continuer à laisser ce genre de personnes s'occuper des enfants. C'est Alors, pas possible. Prince, s'il vous plaît, les 44 personnes, vous pouvez signaler le commentaire de Prince Légende pour incitation à la haine. Vous avez vu, je ne redis pas ce qu'il a écrit, mais là, c'est une incitation au meurtre des Français. Donc, s'il vous plaît, signalez Prince Légende, son commentaire, c'est inacceptable. Les modos, ne lui enlevez pas. Enlevez pas que tout le monde voit les horreurs de ces gens. Voilà. Toujours la pastèque, hein. Vous voyez ce que c'est les pro-palestiniens, c'est ça. T'as vu KNB, c'est incroyable. Moi, je suis antisémite. Ah, oh, bah, écoute. Les malades mentaux. C'est pas, bah, tu peux être malade dans ta tête, hein. Tu peux être juif, malade dans ta tête et criminel surtout. Je pense que t'as un petit problème psychique, hein. Inciter à la mort des Français. T'as vu KNB? C'est hallucinant. Et j'imagine que tu vis en France, hein. J'imagine que tu vis en France parce que j'en ai croisé des gens comme toi hier. Parce que moi, je vis en France et j'ai croisé des personnes qui se comportent exactement comme toi. Et des personnes d'un certain âge, hein. C'est parce que moi, j'ai osé leur dire, il y en a marre de leur défiler, à occuper l'espace public, à emmerder tout le monde tous les samedis, à crier comme je sais pas, il y a rien de positif. Tu sens pas qu'est-ce qu'ils veulent, c'est la paix. Tu sens pas qu'ils veulent vivre avec les autres, non? Juste la haine. Comme toi. Exactement pareil. Je pense. Exactement. Alors pour la suite, ils ont voté, ça va être approuvé, revu en décembre, donc ce sera cet hiver. Nicolas Valder craint qu'elles aient toutefois des conséquences avec ce triple vote de défiance. L'État genevois se demande si Conseil osera. Oh, c'est bon. Et ça, c'est toujours les Verts, les gauchistes en fait. Vous voyez, même en Suisse, les gauchistes, c'est la même chose, hein. Les Verts sont des pro-islamistes. Donc heureusement qu'il y a l'UDC. D'ailleurs, je crois que je vais commencer à militer chez eux, hein. Il va falloir faire quelque chose aussi là où j'habite. Mais voilà, heureusement que l'UDC est quand même assez forte chez nous pour ouvrir les yeux, quoi. Parce que les gauchistes, c'est pas possible. Bon, muté Prince maintenant qu'on l'a signalé, j'ai plus envie de l'entendre. C'est pas possible, ces conneries. Voilà. Sachez que l'UNRWA, il est défendu par Mediapart. Hein. Je sais pas, toi, tu lis Mediapart ou pas, mais Philippe Lazzarini. Je peux plus lire ce C'est une journal. horreur. C'est une honte. Ce journal, c'est une honte. En plus, au lieu de chercher, quand il te raconte n'importe quel récit, hein, au lieu de, enfin, normalement, le journalisme, c'est aussi d'abord relater les faits tels qu'ils se sont déroulés. Et après, tu peux avoir une analyse et un point de vue. Mais le parti pris dès le titre, Dès le titre, tu as déjà compris. C'est ça. Donc, écoutez, j'ai pas trouvé celui d'avril, le vrai rapport, soi-disant, mais si je le trouve, je referai un live. Je pense que là, on a donné beaucoup de renseignements sur tout ça. Et après, j'aimerais parler, je fais une pause parce que ça me fatigue,
considérablement, mais j'aimerais parler de l'ONU aussi en Bosnie avec le trafic d'êtres humains. Je crois que tu avais envoyé l'article, KNB, non? Oui, j'ai commencé à le lire hier, mais bon, je suis rentrée un petit peu tard. J'ai commencé à le lire, ben oui. Trafic d'êtres humains. C'est déjà déjà la Bosnie, ils ont souffert énormément de la guerre, etc. Il y a eu des crimes contre l'humanité. L'ONU s'était donné la mission, on va voir après, je vais vous montrer les documents. Ils ont été donné la mission d'essayer de redresser tout ça, etc. Et en fait, c'est du trafic de femmes, de prostitution, plein de choses. Et c'est officiel. Merci Eric. Et c'est officiel, même eux l'ont reconnu. Ils ont fait un film, vous verrez, je vais vous montrer. Ils ont fait un film pour, entre guillemets, il y avait tellement d'implications de leurs agents. Raphaël, c'est bon, ta campagne anti-vaccinale, mutez-le s'il vous plaît, parce que les gens anti-vaccins de TikTok 3.0, je peux plus non plus. Hein. Et en fait, ils ont fait un film pour dénoncer ça à partir d'une policière. Je n'ai pas vu ce film, mais je pense que ça doit être intéressant. Et il y a une lettre officielle à l'ONU justement pour balancer tout ça. Et eux, bah, ils ont essayé de faire une réunion pour soi-disant nettoyer et faire le ménage. Mais bah, je veux dire, le mal est fait. Hein. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore toujours du trafic. En France, ils ont arrêté un certain nombre de chefs, j'ai pas envie de terroristes, mais de chefs MAC, comme on dit, criminels. Et puis voilà, faut savoir que ça se passe et que ben. À mon avis, l'ONU faillit à ses missions depuis des dizaines d'années et que maintenant il va falloir, je sais pas en tant que citoyen quoi faire, mais c'est pas possible quoi. Il faut que l'ONU ferme. Exactement. Et recréer un nouveau. Par contre, on est Mais obligé il faut que ça de. ferme. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que se mettre des côtés des assassins et des criminels. Et ça coûte un argent fou. Ça coûte un argent fou à tous les citoyens. Et en plus, ça sert de couverture pour les islamistes. Quand, vous savez quoi, quand on va sur l'ONU voir qu'ils sont représentés par le droit des femmes, les droits de l'homme et tout, ils ne mettent en premier que les pays les pires au monde. J'ai dit, mais en fait, ça sert de vitrine pour légitimer les islamistes. C'est ça le pire. Alors. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, sur ce sujet. Parce que je me suis dit, mais pourquoi? En ce qui concerne les droits des enfants et des femmes, pourquoi c'est toujours ce choix sur des pays où la femme n'a zéro droit et l'enfant pareil? Je me dis, mais finalement, peut-être qu'ils ont ce truc en commun d'aimer les petites filles. Est-ce que c'est peut-être pour nourrir leur appétit des petites Non, filles? c'est pas possible. Je ne peux plus supporter ces gens-là. Moi, je peux plus. Hein. Franchement, plus l'ONU, c'est à Genève, juste à côté de chez moi et tout. Des fois, je passe devant. Mais je sais qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réunions et tout. Mais ça sert à quoi, en fait? C'est pas possible. Ils ont mis les. Vous allez voir. Des pays élus au Conseil des droits de l'homme. Vous allez voir. Vous allez. Là, ça va être. Voilà. Hop! Donc ça vient de chez eux, hein. UN Work, UN.org. 12 pays, 12 nouveaux pays, ça c'était en 2022. L'Assemblée a élu, donc ils élisent hein, une douzaine de pays pour siéger au Conseil des droits de l'homme. Donc ils ont mis quoi? L'Algérie, le Bangladesh. Vous voyez ce qui se passe au Bangladesh? Le Chili, le Kirghizistan, les Maldives. Les Maldives. La Roumanie, l'Afrique du Sud, le Vietnam, pour un mandat de 3 ans à compter du 1er janvier 2023. Non, mais vous voyez L'oubliette qui comment. sera, tu te tais, ou tu te barres, ou je te casse le stylo. Bon, déjà, choisissez de glace. Bref. Ça y est, on a un quart d'islamistes, les gars. Toujours, venez raconter ça, plus vous racontez ça, plus nous on continue, plus vous décrédibilisez les islamistes. Mais le Bangladesh, Assemblée générale des droits de l'homme, alors que ça tabasse, ils ont maltraité sur la place publique, brûlé sur la place publique et j'en passe, et humilié des femmes, et je parle là des islamistes, hein, il y a moins d'un mois, quel beau choix! Vraiment, hein, franchement, et encore ça c'est 2022, sachez que l'Afghanistan après aussi a été élu dans un certain nombre de trucs. Bravo. Alors, l'Oubliska, ce sont les islamistes qui disent ça.
ces mots qui ne veulent rien dire. Parce que, en fait, vous êtes tellement extrémiste que vous considérez que tous les musulmans sont des radicaux. Si vous êtes des gens dangereux. Et apparemment, c'est un DZ. Alors, en tant que DZ, tu devrais vraiment te poser la question pourquoi pendant 10 ans, en Algérie, il y a eu une guerre menée contre les civils. Non, bah Et ça. par qui? Mais franchement, je peux plus Enfin, supporter, je peux plus vous supporter. moi non plus. Vous inquiétez pas, on va faire le ménage très bientôt. Partout en Europe, ça c'est si vous n'avez pas idée, hein. Quand ça va, voilà, vous verrez. Déjà, vous voyez les lois qui vont changer. Quand je dis les ménages, c'est de faire les lois, renforcer les lois, condamner les extrémistes, etc., etc. Donc on va pas quitter le pays, c'est toi qui va quitter l'Oubiaska. C'est toi que je peux te dire, t'inquiète pas, hein, on t'attend. Je regarde juste avec l'Afghanistan. Hein. L'Oubiaskan, t'es contente de ce qu'ils font là? T'es contente de ces photos? Extrémistes? C'est ce qu'ils veulent en fait, tu sais, KNB, ils veulent qu'on finisse comme ça. Moi, je te dis, toutes Pas ces possible. nations sont forcément liées à quelque chose qui, en réalité, avec la pédophilie. C'est d'une évidence, ça saute aux yeux. Et c'est pour ça aussi, en partie, pourquoi ils couvrent les femmes. Abject. Alors, tu vois, ils demandent l'abrogation d'une loi sur la morale. Ils demandent des trucs, mais ils demandent. Mais en même temps, ils les mettent à leur conseil de droits de l'homme, etc. Comment tu peux faire des demandes en acceptant ce pays égal aux autres pays? Enfin, je comprends pas, en fait. Moi, je te dis, il va falloir aller creuser dans la pédocriminalité. Parce que c'est pas normal qu'un pays comme l'Afghanistan, qui, depuis les talibans, ont repris le pouvoir, la première des choses qu'ils font, c'est retirer les enfants des écoles. La femme n'a plus le droit d'étudier. Plus tout ce qu'ils ont rajouté ces derniers mois, en plus d'être couverte de la tête aux pieds, t'as pas le droit de parler. Il faut pas que ta voix soit entendue. Et tu peux répondre à des demandes des hommes de ce peuple qui ont considéré que la moitié de la population est inexistante, invisibilisée. Ce sont des choses. Ce sont même pas des êtres humains. Non, ce ne sont pas des êtres humains, ça c'est clair. Ils ont plus d'humanité, ces gens. Donc alors, je referme juste, maintenant on va parler. Ah, encore Ranit Kir, tu veux monter nous expliquer ça? Vous pouvez nous monter nous expliquer. Là, je fais une pause avant de, je fais une pause avant de passer sur la Bosnie et l'ONU. Voilà. Alors, qui est monté? Allô? Il est monté, Ranick? C'est qui ça? Ah, c'est Olivier? Non, 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 attends. Tac, je vois pas qui est monté. Ah, il n'y a personne. À servir les femmes et les enfants, leur faire plaisir. J'avais pris une photo, du coup j'ai cru qu'il y avait Olivier, mais en fait, tu vois, ça fait une superposition. Parce que j'aimais bien cette petite photo au nom de tous les cochons, merci. Elle est trop mignonne. J'aime bien l'expression de ce petit cochon. Il est trop mignon. On voit plus, ouais, vous voyez plus. Ah, bah je vais changer. Voilà, c'est bon. Ok. C'est bon, vous voyez maintenant? C'est une autre caricature. Là, vous, normalement, c'est mieux. En attendant, comme ça, on peut faire monter quelqu'un si vous voulez. Et après, je vais aller sur la Bosnie, vous montrer le truc, la lettre, voilà.
Quelqu'un veut-il monter? Soyez courageux, hein, les gens. Hein. Je crois qu'on a tellement d'arguments que vous osez... les gens, ils osent plus. KNB, ce matin, il y en a un, il m'a dit, je te suivais, mais t'as dit tellement de trucs que... En fait, c'est un islamiste. Hein. Je t'ai bloqué parce que je pouvais pas supporter tout ce que tu disais dans tes Je te jure. Bonsoir. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Comment tu peux... Oui, effectivement, il y a des choses plus qu'insupportables. Mais bon, voilà, si il y a des gens qui ont fait des choses, pourquoi vous voulez les défendre? C'est ça la question qui reste. Pourquoi vous voulez défendre des gens qui ont fait des horreurs? Exactement. C'est pas possible. Tu vois, même pour l'UNRWA, là, il y en a un qui est monté, qui n'a fait que m'attaquer physiquement ou moralement ou autre, et qui n'avait aucun argument parmi tout ce qui était dit, il n'a rien repris, ce n'était que des attaques personnelles. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? En Oui, fait, c'est ça. c'est pas possible, quoi. Voilà. Alors, on va commencer si vous voulez. Hop. Alors, au début, je voulais vous faire un truc sur le génocide en Bosnie, mais je vous avoue que j'aurais préféré qu'il y ait des Bosniaques ou des Serbes. Ça, on va surtout parler de l'ONU. Ce sera peut-être probablement un autre live parce qu'il y a énormément de choses à dire et j'ai pas toutes les sources. Mais vous pouvez déjà aller voir sur Wikipédia ce que c'était avec la guerre, etc. Où il y a eu lors d'un massacre, ça c'était dans les années 95, 30 000 civils massacrés, etc. Vous irez voir et puis ensuite est resté beaucoup de l'ONU est restée là-bas depuis des années et il y a eu des choses qui sont sorties ensuite, donc ça c'était 2000, dans les années 2000, que l'ONU est accusée d'étouffer des enquêtes sur ses policiers proxénètes. Donc il y a un énorme trafic de femmes et de jeunes filles bien sûr, avec des trafics d'êtres humains au niveau mondial qui avait pris des proportions dramatiques, où il y avait la force de police internationale qui était victime de pression et d'intimidation, et que chez eux, et notamment l'ONU, dans les membres de l'ONU, des personnes ont directement participé à ce trafic d'êtres humains. Les fautifs risquent au plus d'être renvoyés dans leur pays et privés d'une prime. Vous voyez? Alors attendez, il y a quelqu'un qui voulait monter. Qui voulait monter? Bref. Donc après, je vais vous lire la lettre de la dame qui a balancé ça. Un scandale menace d'éclabousser l'ONU dans ses efforts pour rétablir les autorités efficaces et intègres en Bosnie-Herzégovine. Selon plusieurs sources, certains policiers travaillant sous uniforme onusien, chargés de lutter notamment contre la prostitution forcée et organisée, seraient eux-mêmes en contact. Ils consomment les nanas et ils les exploitent aussi. Plus troublant, des enquêtes internes fournant des indices précis sur le trafic semblent avoir étouffé et les auteurs écartés, voire menacés. Toujours pour ne pas salir l'ONU. Hein. La présence de 20 000 soldats et d'une large communauté internationale sur un petit territoire provoque une situation connue, car des délégués humanitaires résument le marché de la prostitution est porteur. Suite aux dénonciations d'organisations connues comme Human Rights Watch, l'ONU publie en mai 2020 un rapport recensant 40 cas de trafic impliquant 182 femmes, dont plusieurs mineurs. Dans un cas, un civil travaillant a été renvoyé dans son pays après avoir racheté pour 7 000 marks une Roumaine. On vous parle d'esclavage, hein. Et une Moldave à un tenancier de bar. Quand on vous dit trafic d'êtres humains, ça n'est pas que de la prostitution, c'est de l'esclavage sexuel, de sabaya. Et ce qu'ils ont eu, ces gens de l'ONU, c'est simplement ils sont renvoyés chez eux. Vous voyez quand même? Mais ceci n'est peut-être que la pointe de l'iceberg. L'Organisation internationale des migrations, qui les aide, recense actuellement 20 à 50 cas par mois. Donc en un an, plus de 500 cas, quoi, 600 cas. Beaucoup échappent enfin encore au filet de protection que nous cherchons à mettre en place, dit la dame à Sarajevo. Le trafic d'êtres humains a pris des fraudes. Et ça, c'était en 2000. Hein, depuis, ça a encore plus augmenté. Parmi les victimes interrogées se trouvait une économiste mise au chômage par une banque à qui on avait promis un travail décent. Des faux contrats, intermédiaires tirés à quintre épingle, les réseaux de trafiquants sont très organisés. Ayant appâté leur proie dans les pays de l'Est, ils les font en entrée en Bosnie, souvent en fraude, leur retirent le passeport, les menacent et parfois les battent. La grande majorité des prostituées sont ici contre leur gré. Les bars où elles travaillent sont connus, ils ont pour nom, alors il y a des noms, un des trafiquants, Nanani. L'International Police Task Force de 1800 hommes a précisément été mis sur pied pour épauler une police locale souvent défaillante,
quand elle n'est pas ouvertement corrompue, à appliquer la loi. Beaucoup de policiers onusiens font honnêtement et consciencieusement leur travail, mais depuis des mois se multiplient des indices de dysfonctionnement. Des membres fréquentent régulièrement les bordels. Plus grave, certains s'achètent des campagnes de ménage et de lits pour des sommes variant entre 1 000 et 5 000 dollars. Plus grave, quelques contingents sont soupçonnés de participer eux-mêmes au trafic dans la région de Belgina au nord de la Bosnie. Des témoignages de victimes ont été enregistrés, il existe des listes de noms qui justifieraient amplement une enquête d'envergure. Bon voilà, on va pas, je ne vais pas tout vous lire avec les climats d'impunité après. Il s'est venu d'une lettre, je vais juste vous le trouver, la dame qui a balancé ça, voilà, qui s'appelle Catherine Bolkovac. Ça, c'est un article de 2014. Elle avait balancé en 2000, l'inspectrice des Nations Unies dévoile dans un courrier interne, elle avait fait un email à tous les représentants de l'ONU, où elle disait, elle balançait le réseau de trafic d'êtres humains auquel des collègues participent. Voilà, c'est cette dame-là qui a ouvertement, bon, on n'a pas tout l'article, mais il y a une lettre officielle aussi. Donc voilà, et ce qu'a fait l'ONU pour répondre. Regardez, 2002, ça vient de chez eux, hein. Les efforts de l'ONU dans la lutte contre le trafic couronné de succès. Ils s'envoient eux-mêmes des fleurs dans leurs propres articles, vous voyez. Selon responsable, plus de 1 300 filles qui travaillent, etc., couronnées de succès, et là, pas un mot pour le coup sur ce qu'elles avaient balancé un an avant. Vous voyez les mascarades que c'est? Et puis quand j'ai cherché davantage, vous voyez en 2023 par exemple, la mission en Bosnie, a failure, et donc tout le monde de point de vue extérieur dit que la mission des Nations Unies c'est une défaite, hein, et ce gars-là par exemple c'est l'université de British Columbia. Donc le papier dit que les United Nations, l'ONU, a échoué dans la paix, dans la mission de paix en Bosnie, qui a joué un rôle détriment au niveau des victimes de l'exploitation sexuelle et du trafic d'êtres humains, et un rôle insuffisant. Et encore, ils sont gentils. Hein. La réponse immédiate, etc., etc. Donc il y a tout ce truc-là. Et puis voilà, je voulais juste vous en parler, vous irez vous renseigner davantage, en sachant qu'il y a un film qui a été fait. Attendez, je vais le retrouver. Ah oui, c'est ça, UN News. Donc UN News, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2011? Vous voyez, ça a été balancé en 2000. En 2002, ils ont dit, on est content. 2011, c'est eux, hein. Ils ont mis 10 ans, et là, ils mettent quand l'ONU se regarde en face pour racheter leur honneur. Vous voyez, hein. Cette semaine, ils ont projeté le film The Whistleblower, la dénonciatrice, et le débat qui a suivi. Événement organisé par la secrétaire générale pour permettre à l'ONU de faire son autocritique. 10 ans après, hein. Débat ouvert, etc., basé sur l'expérience, donc il nous reparle justement de Catherine Bolkovac que je vous avais dit. Vous pouvez muter le gars qui vient d'écrire une horreur, s'il vous plaît. Elle témoigne de la flagrante implication de certains des collègues dans le trafic d'êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes. Informée des pratiques, décide de mener une enquête. Donc ça, c'est franchement, les femmes comme ça, c'est une héroïne, hein, au niveau mondial d'avoir fait ça. Hein. Elle risquait sa vie, hein, et sa carrière aussi, pour révéler au grand jour les violations du droit humain, mais l'histoire finit mal. Elle est licenciée et l'affaire étouffée. Vous voyez? Vous voyez comment ça fonctionne, l'ONU soi-disant? Cette édition montre à quel point l'histoire poignante a interpellé l'audience et le personnel de l'ONU. Tour à tour, les responsables, les diplomates et la réalisatrice du film, une des protagonistes de l'histoire, débattent des progrès qu'a fait l'ONU depuis les événements du film. Est-ce qu'ils ont repris cette dame? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais l'événement a permis aux nombreux patients, participants, notamment des membres du personnel, de réconcilier avec l'organisation à laquelle ils voutent. Et leur aura offert la possibilité de ranimer leur volonté à lutter contre l'atroce réalité mise en avant par le film. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu de faire des bénis ouin-ouin? Est-ce qu'ils ont amélioré les choses là-bas pour les victimes? Est-ce qu'ils ont et se sont au moins excusés envers les victimes et leurs familles? Est-ce qu'ils se sont excusés envers la journaliste qui a balancé tout ça et qui a été licenciée? Vous voyez les gens, c'est pas possible en fait l'ONU ce qu'ils font. Une conclusion qui ne satisfait pas pleinement la réalisatrice qui, au-delà de la prise de conscience, aimerait les mentalités et les comportements changés. Espérer que son point de vue résonnera pour mettre en œuvre des mécanismes mis en place pour empêcher tout abus de comportement des États membres. Et là, il parle des comportements des États membres comme celui de l'Uruguay. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'Uruguay? Là, on vous parle de la Bosnie et de vos employés de l'ONU. Enfin, KNB, je ne sais pas si tu veux réagir à leur truc, mais c'est incroyable, hein. Les faux culs, là. C'est insupportable. Moi, je dis que cette organisation devrait être dissolue. Mais avant qu'elle soit dissolue, il faut que tout ça remonte à la surface et qu'ils soient tous jugés, un à un. Parce qu'ils sont tous impliqués.
de Guterres. Je ne parle pas des autres troupes. Donc, à l'époque, ce n'était pas lui, le président de cette organisation. Tous doivent être jugés. Mais bien sûr, nous savons qu'ils tiennent des dossiers sur d'autres gens et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a plein de gens qui vont se taire et rien dire, tout en sachant toutes ces horreurs. C'est ça. C'est la solidarité masculine, c'est ça. En fait, on sait que ce que tu fais, c'est de la grosse M. On sait ce que tu fais, c'est de la criminalité, mais on va se taire, hein. On va se protéger les uns les autres parce qu'on a tous des casseroles. C'est insupportable. On a tous des casseroles et surtout qu'on a tous envie de toucher notre salaire à la fin du mois. Voilà, c'est tout. Si vous irez voir, là je ne vais pas le faire, mais je suis allée voir un lutte anticorruption ONU. Ils ont même eux-mêmes, soi-disant, fait des colloques et tout pour dire et pour dénoncer les pays corrompus. Ils font une liste des pays corrompus alors que eux sont les principaux corrompus. Tu vois le truc? C'est fou, hein? C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité et ils pensent que nous, les citoyens, on n'est pas en train de réaliser tout ce qui se passe. Je veux dire, la journaliste, je vais aller voir son nom, j'espère qu'elle a retrouvé du boulot. Ben, je pense que oui, mais la pauvre, elle a dû en voir des vertes et des pas mûres. Enfin, quel courage il a fallu pour dénoncer tout ça et faire son article, faire l'email à l'ONU. Et encore une fois, tu vois, KNB, c'est des femmes, c'est une femme. C'est les femmes qui montent au créneau dans ce genre de trucs. Les plus courageuses. J'ai remarqué hein, ça dans les grands scandales d'origine sexuelle, esclavage, trafic d'êtres humains et tout. C'est souvent des femmes qui ont des couilles. Les autres, ils disent rien. Après, on va dire que la femme, ça vaut rien, mais regardez qui se bat aujourd'hui. C'est pas possible. Hein. Les trafiquants d'enfants. Oui, alors si vous regardez sur la Bosnie, il y en a qui sont arrêtés en France parce qu'il y a des femmes et des enfants qui passent les frontières et qui ensuite sont prostituées aussi en France. Il y a souvent des réseaux de trafiquants bosniaques, serbes, etc., qui viennent chez nous. C'est ça le problème. J'ai voulu ouvrir le document que tu m'as envoyé. Tout s'est effacé sur mon WhatsApp. C'est normal, ça? Mince. T'as peut-être un bug, ça va revenir, t'inquiète pas. Je pense que c'est un bug. J'espère bien, parce que j'aurais dû les transférer. Je voulais faire le transfert sur l'ordi. Et là, je vois que... Je te le renverrai, si tu veux. Ok. Des fois, il y a des petits bugs sur WhatsApp. Mais moi, je peux plus... l'ONU, je peux plus. Tout ça, je peux plus. Quand il y a des discussions géopolitiques et que le premier il me ramène à un argument de l'ONU, c'est claqué au sol. Ne parlez pas de géopolitique en mettant l'ONU ou quoi que ce soit en avant. Quand on sait à quel point ils sont complices, là, je vous ai, bien sûr, on a parlé de l'UNRWA, on a parlé de la Bosnie, mais il y a d'autres scandales. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus, malheureusement. Et ils sont toujours à essayer d'essuyer et de faire des bénis oui-oui, mais stop. Et l'UN Watch, c'est les seuls, d'ailleurs, à combattre ce genre de choses et ils sont très, très attaqués, les pauvres, hein. Donc voilà. Je sais pas d'ailleurs où ils sont basés l'UN Watch, s'ils sont aussi à Genève ou pas. Alors, est-ce que quelqu'un veut monter, discuter? Là, moi je me relaxe comme j'ai bien travaillé là ce matin. si quelqu'un veut monter, discuter de l'ONU ou quoi. Est-ce que KNB, tu as entendu l'élocution de Netanyahou à propos de Macron? Oui, j'ai écouté et Macron a eu une attitude, mais catastrophique, catastrophique. En fait, ça y est, bravo les Français, votre président est LFI maintenant. LF islamiste. LF islamiste, ça y est. D'ailleurs, j'ai mis une photo, je sais pas qui l'a fait sur mon X, avec le turban chiite. Il a la barbe et le turban et c'est bon. Elle est féiste. Exactement. Mais Bibi en a parlé. Il a parlé Macron. Il a dit qu'ils auront la honte, etc. Il a raison. Hein. Franchement, merci Magda. C'est une honte ce pays. Franchement, enfin ce pays, ceux qui le dirigent. Mais les Français cessent d'avoir peur. Cessez d'avoir peur de ces gens-là. On vous l'a déjà enfoncé très très profond. Vous allez continuer à accepter cette sodomie?
sur tous les plans. Je croyais qu'on était au pays des droits de l'homme, des lumières, des grands auteurs, des grands écrivains, des grands compositeurs, des grands hommes de politique, etc., et des femmes. C'est insupportable, en fait. Votre soumission est insupportable. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. J'ai l'impression il n'y a plus rien. La population, et ils ne font que baisser la tête, et à part partir dans des délires anti-vaccinales ou des conneries ou des délires anti-sionistes qui n'ont rien à voir avec la réalité, ils se trompent complètement, les gens. Tu vois? J'en peux Les seuls plus. qui sont. Ou des antifas, mais ceux-là, c'est de la crasse, en fait. Ils sont endormis, les Français. Ils ont, je sais pas, ils ont de la merde dans les yeux, et quand ils vont se réveiller, ce sera trop tard. Hein. Là, on est déjà limite, limite. Bah. Parce que quand on voyage pas, quand on n'est pas. Quand on est de l'extérieur, ceux qui sont de l'extérieur, en général, ont une vision beaucoup plus. Beaucoup plus fine, précise de la réalité. Quand tu es à l'intérieur, bah, ta vision n'est pas. Et pourtant, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais tu continues et tu persistes à vouloir croire. Mais non, c'est rien, ça va passer, tout ça. Mais en fait, vous ne voyez pas que votre pays est en train de se rendre tous les jours un peu plus avec les gens que vous avez élus. Parce que moi, je l'ai dit déjà à ceux qui ont voté Macron la première fois, je leur ai dit, vous allez le regretter. Et ceux qui se sont encartés dans le parti, c'est encore pire. Et parmi eux, même des artistes. Hein. Je croyais que les artistes avaient une vision beaucoup plus éveillée du monde qui t'entoure. Parce que c'est ça qui nourrit, c'est ça qui nourrit ton art, la création et l'inspiration. Non? Ils se sont engouffrés là-dedans et petit à petit, ils ont commencé à voir que ils se sont fait avoir. Après, vous pleurez. C'est tout ce que vous savez faire. Voilà. Bah, les artistes, normalement, ils sont plutôt de gauche, non? Eh ben oui, justement. Hein? Justement. Les artistes sont plutôt de gauche. Et vous savez pourquoi? Parce que en France, l'art est subventionné, que ce soit le cinéma, les arts plastiques, la musique. L'art est subventionné. C'est honteux. Mais subventionné par l'État? Bien sûr. Ah ouais. Oh là là. Donc vous avez tout compris. Et dans un pays, une fois que vous subventionnez l'art, vous avez déjà cette partie de la population qui est acquise. Parce que l'art va permettre de travailler la propagande aussi. La propagande que veut la doxa. Et je vous rappelle que toutes les dictatures du monde ont d'abord se sont attaquées à l'art. C'est pour ça que beaucoup d'artistes, après le 7 octobre, on n'a rien entendu. Surtout dans le monde du cinéma. Vous avez vu, c'est vrai. Parce que ils savent que s'ils ouvrent leur bouche, les robinets vont tomber en panne. C'est honteux. Alors, et tu sais qu'aux États-Unis, ils sont allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à dénoncer leur BDS, la je sais pas quoi là, leur mouvement de boycott. Et ben ils sont allés faire des listes. Bon, ceux qui étaient pro-palestiniens, ok, on leur fait des cadeaux, on leur fait de la pub et tout. Celle qui fait le maquillage là, Rekima Atan, là, je sais plus quoi, enfin, bref, toutes les espèces de putes hijabées, excusez-moi du terme. Par contre, ceux qui n'avaient rien dit, c'est-à-dire ils ne s'étaient pas prononcés, ont été classés directement dans la liste sioniste, mais ils n'avaient rien dit du tout et ils ont été boycottés. N'allez plus, même les acteurs et tout ça, vous irez voir les listes, insultés, boycottés, en tout cas par les gens. Et avec des campagnes sur les réseaux sociaux de bashing et d'insultes continues, vous irez voir les listes, ils mettent ouais, il y en a plein et les gens n'ont rien dit. Donc en fait, quand tu ne dis rien, c'est que tu es forcément sioniste et tu dois être un ennemi. KNB, ça va plus loin encore. C'est ouf, hein. C'est ça.
Alors que les États-Unis, traditionnellement, les États-Unis, historiquement, ils ont toujours été anticommunistes. Et là, on voit, parce qu'il faut comprendre, communisme, le communisme n'est pas mort. Le communisme, sous son nouveau visage, c'est le wokisme. Il faut comprendre cette chose. Et c'est pour ça qu'ils font aussi alliance avec les islamistes, parce qu'ils ont des... Ils ont le même combat. Ils veulent détruire les sociétés dites pour le libéralisme, le capitalisme, etc. Ils ont ce combat commun, même s'ils ne s'accordent pas sur les droits des LGBT, etc. Mais c'est pas grave. Ils vont fermer les yeux pour l'instant, les islamistes, parce que ils œuvrent dans la même direction. Vous savez, le communisme. À chaque fois que le communisme s'est imposé, et plus tard le fascisme et le nazisme, c'est le monde de l'art qu'ils attaquent en premier. Toujours. Exactement. D'ailleurs, la propagande, elle passe par l'art, hein. Oui, mais... L'art et les médias l'enseignement. Donc, on est déjà bien incrusté, hein. Oui, Eric, je regarderai ton MP. J'ai lu ton truc, arrêtez de tout remettre sur un blème religieux. On remet ça sur un blème islamisme, c'est-à-dire politico-religieux. D'ailleurs, des frères musulmans. Donc, Bien c'est sûr que pas. oui, Voilà, ça bien vient sûr pas de que nous, ça oui. vient d'eux. Ça vient d'eux. C'est pas nous, hein, c'est pas nous qui disons ça, c'est eux. Donc, voilà. Magna, est-ce que c'est toi, Magna, le gros antisémite et celui qui défend Tariq Ramadan, le violeur, ou pas? Non, pas du tout. J'ai jamais Ah, été ok. antisémite et je défends pas Tariq Ah, Ramadan. ok, désolé. Parce qu'il y a un autre gars qui s'appelle Magna que je connais, avec qui je me suis frictionnée, et c'était une horreur, mais je t'écoute. C'est moi. Mais c'est la même personne, c'est Ouais, toujours c'est un... lui? Oui. Ah, bah voilà. Bah, la dernière fois, tu avais défendu Tariq Ramadan. Non, non, j'ai pas défendu Tariq Ramadan. Mais comment tu Mais tu oses encore comprends pas les venir nuances. sur... Comment tu oses encore venir sur mon live? Pourquoi tu viens, en fait? Tu sais très bien que tu n'es J'ai pas le pas bienvenu. défendu Tariq Ramadan, j'ai défendu Ouais, la bon. justice, c'est très différent. Pourquoi tu viens? J'ai défendu la justice. Peut-être parce que ce que tu Magna, racontes je croyais m'énerve. qu'on défend les victimes. Ça l'énerve. Mais non, mais la question. Ouais. Pas Pas la l'énerve. La question, justice. c'est défendre la justice. Tu vois Même l'hypocrisie la par pire où des elle crapules a le commence. droit d'avoir un procès, La Lucas. justice n'a pas le droit de se défendre, elle se défend elle-même. Tu n'es pas le maître de la justice, tu t'appelles pas Schwarzenegger, ok? Terminator, I am the justice and I am the law, c'est pas toi, d'accord? Si t'es assez taré et schizophrène pour te dire que tu veux défendre la justice, va faire ça ailleurs, on va t'enfermer en HP. Parce que là, c'est du niveau HP, Magna, je te le dis, hein. La justice n'a La pas justice. besoin d'être défendue. Elle a ses propres lois. Et une fois que le verdict est rendu, que quelqu'un est jugé comme criminel, on a le droit d'en parler comme un criminel. Que ça te plaise ou pas, les lois, c'est la loi. Donc qu'est-ce que tu as encore d'autre à dire? Sinon, je te dégage. Bon, allez, je te dégage déjà. Tu es insupportable, Magna. Je défends la justice. Ha. Un humaniste, il Ha. défend la justice en Je étant suis lui-même un un criminel. humaniste et je suis pour la démocratie. Mais bon, allez, les femmes violées, la pédophilie, tout ça, bon, on va essayer de normaliser la chose. Bien sûr. C'est Wonder, toujours elle le est respect. unie. Unie, elle m'insupporte parce qu'elle défend des victimes. Ah bah oui. Vous voyez le raisonnement des islamistes et des criminels? Quand on dit la vérité, ils supportent pas. Et le mec, il monte juste pour raconter de la merde. Reste en bas, Magna, et d'ailleurs, je vais te bloquer, j'ai plus envie de voir ta tête. Allez, Magna, le bref. Au revoir. Au moins, je n'entendrai plus ta voix de pervers et de manipulateur. Au revoir, le pervers narcissique. C'est bon, il est bloqué. Allez, hop. Ça, c'est de la perversion narcissique, KNB. Je te le dis, hein. Mais c'est ça, la tolérance. Je vais te dire une chose, Mania, si tu écoutes encore, la tolérance, quand il s'agit de viol, c'est-à-dire crime sur le corps des femmes, quand il s'agit de crime sur les enfants, je ne peux pas, et je pense que Uni et beaucoup ici, on ne peut pas être tolérant avec l'intolérable. Tu comprends? Exactement, exactement. Je vous rappelle, bon là il t'a pas entendu parce qu'on l'a bloqué, mais à mon avis il va venir en scred, hein, avec un autre compte, parce que ces gens-là ne font que du harcèlement, hein, ça c'est le cas, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, je l'avais déjà bloqué.
quand j'avais parlé, j'avais fait une vidéo qui avait bien cartonné sur Tariq Ramadan quand il avait été condamné en Suisse, où j'avais exposé l'article dans la vidéo et j'avais dit que j'étais, en fait, j'étais contente effectivement qu'il soit condamné et reconnu coupable parce que, voilà, pour moi, les lieux-leurs, s'ils sont reconnus, c'est bien pour la victime et pour différentes raisons, etc. Et puis lui, il était monté sur mon live, je l'ai publié d'ailleurs cet extrait, vous pouvez le retrouver, où il dit, c'est inacceptable que tu te réjouisses qu'un criminel soit condamné. Mais je veux dire, et je l'ai descendu, je me suis énervée, et le gars, il revient, alors qu'il nous interdit de se réjouir ou de parler d'un crime. Mais en fait, il faudrait juste que les criminels ne soient pas condamnés et qu'ils aient le droit de tout faire et que les femmes ne soient rien. C'est quoi ça? Oh Chacha, vas-y, fais une procédure, j'ai hâte de me faire de l'argent, Chacha. Déjà, je ne parle pas des Palestiniens, je parle très souvent du Hamas, mais on a prouvé ce matin avec l'UNRWA que 70% des Palestiniens étaient des Hamas, en tout cas, se réjouissaient de l'attaque du 7 octobre. Donc maintenant, je mets 30% de Palestiniens humains, d'accord? Les 70%, c'est des terreaux. J'ai quand même changé, déjà, avec l'étude de ce matin. Et les musulmans, pour moi, je fais toujours la différence entre le musulman religieux citoyen qui a le droit de pratiquer et l'islamiste qui est problématique et qui fait de l'apologie du terrorisme, voire le djihadiste, En qui ne fait, devrait même pas être chez nous. ceux qui se Donc, disent musulmans ou qui pratiquent l'islam, pourquoi vous laissez les islamistes vous représenter et parler en votre nom? Vous pouvez m'expliquer? Pourquoi exact. vous les laissez parler en votre nom alors que vous savez que ce sont des criminels? Vous le savez. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, on vous a vu tous sortir dans les rues faire la fête au Moyen-Orient. Au lendemain, le jour même du 7 octobre, quand ils sont revenus, les barbares sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez pas vu les vidéos qu'ils ont filmées? Vous avez pas vu Al Jazeera? Ils faisaient la fête et distribuaient des bonbons et des pâtisseries? Tout comme le 11 septembre, tout comme c'est toujours la même chose. Dès qu'il y a des couffards qui crèvent, ils sont contents. Vous appelez ça comment? Donc, au bout d'un moment, faut être réaliste. Chacha, c'est bon, je l'ai mutée. Si elle continue, je vais la bloquer parce qu'elle est tellement. Beaucoup, beaucoup de fois, j'ai voulu qu'elle monte pour discuter, mais à part raconter des inepties d'islamistes, elle ne raconte rien d'intéressant. À part des menaces, des choses comme ça. Mais vous savez, vos menaces de djihad judiciaire ou de pragmatisation, ça ne marche plus. Faites ça ailleurs, faites ça à d'autres personnes. Allez faire vos mauvaises personnes à d'autres personnes. Nous, on va, voilà. Je sais qu'on est droit dans les clous et on est juste. Donc, ça vous plaît ou pas, c'est pareil. Youyou, bonjour. Oui, bonjour. On t'écoute. Je voulais juste répondre à KNB, je sais pas. Et Vas-y, vous, vas-y. pourquoi vous laissez les sionistes parler à votre nom? C'est une question légitime, c'est la même question. Parce Pourquoi qu'en vous... fait, Attends, moi j'ai une question. Attends, Youyou. non, Pourquoi mais quand vous laissez-moi montez... terminer. Attends, attends. Non, non, Ouais. non, c'est mon live. Je décide. Je vous Pourquoi en quand... prie. Et pourquoi quand sur mon live, alors qu'on a un sujet, etc., qu'on est censé débattre sur le sujet, vous montez tout... Je dis vous en général. Hein. Il y a des gens qui montent poser une Ouais. question qui n'a rien à voir. Bah, parce que j'ai répondu à la dame, c'est tout, hein. Parce Mais en qu'elle fait... raconte n'importe, en fait, elle raconte Mais c'est... n'importe Attends. quoi. Première des choses, on ne répond pas à une question par une question. D'abord, si tu veux répondre Ben, à justement, la si vous question répondez que... Non, à non, votre non, question, vous non, trouvez la non, mienne, c'est tout. attends, attends. Oui. J'ai posé une question. Le principe dans un échange, c'est quand une question est posée, la partie qui est en face répond. Elle ne répond pas par une autre question. Déjà, dans un débat, c'est le premier principe à comprendre. Oui, mais dans un débat, le deuxième Donc principe à toi, avec comprendre, ton c'est de ne drapeau pas algérien, raconter tu des es mensonges. algérien, donc je suppose musulman, est-ce que pour toi c'est normal que les islamistes, comme nous avons ici en France Ilyes Dimzalen, qui a le droit, lui, en tant que salafiste et fiché S, s'exprimer au nom des musulmans en France? Est-ce que pour toi c'est normal? Allez, Youyou. Et je rappelle quand même les ordres du live. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir des gens avec des femmes avec la poigne, mais sur mon live, c'est moi qui mets les règles. KNB, c'est ma modo. Elle a aussi
tous les droits, c'est-à-dire de muter, de faire descendre, de faire monter. Les règles, normalement, vous montez, vous mettez votre micro off, vous attendez qu'on vous donne la parole et on fait un débat, c'est-à-dire vous répondez à nos questions et vous restez sur le thème du live. Je ne suis pas votre ami, je ne réponds pas aux questions d'ordre personnel ni aux attaques personnelles. Ça, c'est les règles fondamentales de mon live. Donc, Youyou, je te démute avec plaisir et il faut les accepter, sinon vous ouvrez votre propre live. Et ne me parlez pas de liberté d'expression ou quoi, c'est un lieu privé dans lequel c'est l'autre qui fixe ses règles. Vas-y, Youyou, je peux te démuter si tu veux. Hamza, si tu veux, tu peux monter aussi si tu connais Youyou, hein. Youyou, tu peux nous parler? Tu es là? Allô, monsieur? Je t'ai invité à ouvrir ton micro. Bon, je vais le descendre. Youyou, tu es là ou pas? Amine Oumar Hamza, tu peux monter et m'expliquer en quoi je me suis cachée derrière le salafisme, mais en vrai, c'est des chiites. Non, mais il parle de Youyou, en fait, tu sais. Ah, d'accord, ok. Il parle de Youyou, tu peux monter si tu veux. Ouais, Moi, nous expliquer, parce que moi, j'ai pas compris. Non, on le connaît pas. Je le connais pas, ce gars-là. Mais c'est vrai qu'il y a des chiites et des gens du Hezbollah qui sont payés par l'Iran pour venir sur les réseaux. Ça, je vous le dis. Peut-être qu'il en fait partie. Hein. Ils passent leur journée à passer de live en live pour raconter de la merde. Donc, une fois qu'on les a démasqués, après, on les connaît. Et surtout, les Iraniens les démasquent. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont passés pour des Iraniens alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont des sunnites. Et ils font ça maintenant qu'ils sont contents que l'Iran soit l'ennemi d'Israël. Là, ils ont vite oublié tout ce que l'Iran, la République islamique d'Iran a fait à leurs frères sunnites en Syrie, en Irak, etc. Là, il n'y a pas de problème. Sachez même que Youssef, tu sais, Kainbe, j'ai appris que Youssef Al-Qaradawi, il avait fait une fatwa pour dire que le Hezbollah était l'enfant du diable. Je vais la retrouver celle-ci, mais sauf si c'est en arabe, je ne peux pas la traduire. Mais tu vois? Ça fait plus de 1400 ans qu'ils ne se supportent pas alors qu'ils ont le même livre et ils croient au même Dieu. Va comprendre. Donc quelque part, la question qui se pose d'elle-même, c'est que au final, ce sont deux partis politiques qui se guerroient depuis 1400 ans. Moi, ouais, mais maintenant ils sont contents. Et maintenant ils sont tellement faux cul qu'ils sont contents et ils lèchent les. Allez l'Iran, bombarder Israël. Tellement ils ont la haine du juif qu'ils sont capables d'effacer toutes les guerres et tous les crimes contre l'humanité qu'ils ont fait contre leurs frères. Et c'est là que tu vois quand même que leur haine, elle est plus haute que tout. Et que je pense que la fin du monde avec ces gens, elle est proche. Avec ces islamistes, on est pris vraiment de je sais pas quoi, parce que c'est un tel niveau de haine et de barbarie que... Pff, incroyable. Alors, si quelqu'un d'autre veut monter, Monsieur Youyou, je t'ai descendu, tu avais muté ton micro. Je comprends pas, les gens, vous montez, après, vous parlez plus. C'est quand même bizarre. Hein. Donc, du coup, là, c'est la fin du live. Si quelqu'un veut monter, parler de ce qu'on a parlé, etc. On peut aussi parler vice fait du Hezbollah, mais... la plupart des fumeurs de chichon. Oui, ça, c'est vrai. Le Hezbollah, le Hamas... le Hezbollah, même en France, hein, y a des réseaux de trafic de drogue, etc., narcotrafiquants, c'est terrible. Hein. Donc non, jamais moi je soutiendrai le Hezbollah, l'Iran ou la République islamique d'Iran, jamais de la vie, même si vous me torturez. Faut quand même avoir une éthique. Les gens qui n'ont pas d'éthique et qui sont des manipulables comme des jouets, je pense qu'ils sont plus dangereux même que les islamistes. Je sais pas ce que t'en penses, KNB, mais des gens manipulables et qui n'ont pas de connaissances, les connaissances nécessaires pour avoir un esprit libre et pouvoir prendre des décisions d'eux-mêmes, c'est très dangereux dans une société. Parce que oui, il y a les lanceurs, il y a les islamistes, etc., mais il y a ces gens-là qui soutiennent, en fait, de manière passive. Oui, c'est... En fait, c'est ce qui peut empêcher un être humain à réagir alors qu'il voit de ses yeux que les choses ne sont pas normales, qui se déroulent sous ses yeux dans sa société. La peur. La peur, ça empêche de réfléchir. La peur empêche d'avoir une vision du monde telle qu'il est et non pas telle qu'il est raconté. La peur.
C'est, vous savez, la peur, il n'y a rien de pire que la peur. Et tous les pays où on utilise, que ce soit le chiisme ou le sunnisme, ou les gouverneurs, si on peut appeler ça des gouverneurs, c'est juste des malades, de gros malades, au vrai sens du terme, c'est-à-dire des gens qui sont atteints dans leur cerveau, utilisent les dogmes pour maîtriser les populations, en les empêchant même de penser par elles-mêmes. Vous savez, il y a plein de pays où tu n'as pas le droit de penser. Tu n'as pas la liberté de conscience. Et rester maintenu dans la peur, eh bien, tant qu'on vous promet une meilleure vie dans un hypothétique au-delà, eh ben, vous vous contenterez de ça en disant, c'est pas grave, sur Terre, je vis dans une misère sur tous les plans. Misère émotionnelle, misère sexuelle, misère économique. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir profiter de mon existence une fois que je serai plus dans ce monde. C'est-à-dire que l'anesthésie est tellement forte que tu n'es plus conscient, comme quand on est sur la table d'opération, dans le bloc opératoire, on peut faire ce qu'on veut de notre corps. On est sous anesthésie. Vous comprenez? Et ce phénomène, c'est aggravé depuis un an, ce phénomène d'anesthésie et d'endoctrinement chez les jeunes, notamment avec les réseaux sociaux et tout, c'est terrible. Franchement, bon. Ce soir, justement, je vais à Genève, normalement à 18h, vous filmer la commémoration pour le 7 octobre. Donc j'espère que vous viendrez nombreux pour tapoter et puis que vous voyez à Genève comment ça se passe. Salut Moon. Salut. Bonjour. J'ai écouté... bonjour Yann B. J'ai écouté... Bonjour. Ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Et à la limite, ça fait froid dans le dos parce que on ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant de lieux, conventionnels, mais comme l'ONU, des organismes comme ça, qui soient autant impactés et en fait très, très infiltrés, il me semble. Et à côté de ça, c'est surprenant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, hier, j'ai entendu un témoignage qui m'a complètement, qui m'a complètement fait froid dans le dos. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse. C'est une nana qui parle de comment est-ce qu'elle s'est convertie et comment a été sa vie. Et c'est intéressant parce que tu te dis, bon, d'accord, ça m'a toujours surpris. C'est une française d'origine italienne qui s'est convertie et qui s'est mariée en pensant que elle était dans une période assez très marquée par une forme de dépression et elle a eu le besoin de se réconforter quelque part. Elle a trouvé un gars qui est musulman et qui justement lui a demandé petit à petit de se marier, tout ça, et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est mariée pas officiellement, je veux dire pas sur le plan civique, mais je sais pas comment ils appellent ça. Ouais, il avait probablement une autre femme ailleurs, hein, si c'est ça. Ça s'appelle le mariage halal. Ouais, c'est ça. Ça devait être la deuxième ou la troisième, mais bon, bref, ouais. Alors, en tout cas, d'après ses dires, c'est qu'elle s'est mariée avec lui et quelques mois, juste en commençant, sa famille, on lui a demandé de s'éloigner de sa famille. C'est ce qu'elle s'est exécutée. Et par la suite, on lui a demandé de ne plus être en contact avec les mécréants. Et du coup, elle s'est retrouvée complètement seule, mais accueillie par que quelques sœurs. Et à chaque fois qu'elle avait besoin de parler, elle s'adressait à ces filles-là, quoi. Et qui, eux, juste un ou deux mois après, le gars s'est mis à la frapper. Parce que, et elle acceptait,
Elle acceptait de se laisser frapper parce que elle était convaincue que Dieu lui avait dit que l'homme avait le droit de frapper sa femme. Oui, la Genèse 34, oui, effectivement. Et les gens, ils étaient tous choqués. Ils avaient plein de questions. Et à un moment donné, ils lui disaient, mais c'est Ali Baba, je crois. Ils lui demandaient, mais est-ce que tu t'appliquais? Et ils étaient choqués parce qu'en même temps, on avait peur de la brusquer et de lui demander, mais est-ce que tu acceptais tout ce que la religion te demandait. Elle leur disait oui. Et moi, ça m'a vraiment choquée. J'en ai pas dormi de la nuit parce que non seulement elle acceptait de se faire lever, ça veut dire qu'elle acceptait qu'elle se sentait obligée de même si elle avait pas envie. Au bout de quelques mois, le gars il lui a dit bon, maintenant je vais me remarier avec une autre femme, chose qu'elle n'a pas du tout acceptée. Et elle ne sortait plus. Elle a mis tout le truc là, toute la panoplie, même avec les gants de son truc là. Et le plus surprenant, c'est que en 5 ans, elle a fait 5 fausses couches. 5 fausses couches. Moi, j'en ai pas dormi de la nuit. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que et elle disait, on m'a vendu comme quoi j'allais vivre une meilleure vie, tout ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était pas du tout vrai, c'est que elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Elle a tout fait pour se barrer. Et vraiment, ça m'a choquée parce que j'avais jamais entendu. Oui, vas-y. Tu sais, Mouni, il y en a plein des comme ça. Bon, là, ça, ce que tu as décrit, c'était une salafiste. Hein. Enfin, vraiment, habillée avec les gants, là, c'est l'extrémisme. Voilà. Une salafiste. Exactement, exactement. Et c'était en France? Ah, bah ouais, c'était en France. Parce que, mais c'est encore permis d'être habillée comme ça avec les gants et tout en France? Mais non, mais elle a arrêté. Je veux dire, elle est devenue après. C'est ce qu'elle dit, hein. Apostat, qu'elle s'était convertie en 2017. En 2022, elle a fui et elle a demandé le divorce. Et le truc, c'est que nous, à quel point c'était vraiment, elle était complètement sous emprise, je ne sais pas comment il fait. Elle a attendu qu'il fasse sa demande de divorce. Or, il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de mariage. Il n'y a pas eu de papier civil. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas eu de... Ça, c'est de la manipulation. Elle était sous emprise et voilà. Oui. Mais au moins, elle a réussi à partir. Et on a plein des comme ça. Après, quand on vous dit, et ça va être une des premières quand elles sont dans ce truc-là, à dire non, mais je me voile parce que c'est mon choix. Tu vois, KNB, ouais. C'est ce genre de nana. Ouais. Qui sont complètement soumises et qui disent non, mais c'est mon choix. C'est ça, en fait. C'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est une recommandation et une obligation coranique. Bien que dans le Coran, il n'y a aucun texte qui parle de couvrir la tête. Aucun. Et je défie n'importe qui dit connaître sa religion et qui connaît le Coran de trouver une seule phrase dans le Coran qui parle de couvrir la chevelure. Il n'y a pas. Ben oui. Une chose aussi marquante, vous savez, c'est quoi? C'est qu'elle leur a dit, on m'a demandé de détester mes parents. De détester les mécréants. Oui, parce que les parents, du moment qu'ils ne sont pas de la même obédience, parce que dans le Coran, c'est très simple, et c'est simplement expliqué que tu dois aimer d'abord Allah et son prophète, même si il faut se détacher de ta propre famille. Par exemple, dans le cas du djihad, qui est une obligation pour chaque musulman, de faire le djihad. Donc, ça peut être sous différentes formes, mais bon, on a tous compris maintenant que le dictionnaire du lexique islamique détourne les mots. Je suis arabophone, donc je comprends parfaitement ce qui est écrit, même si des fois, en traduisant, ils veulent mettre d'autres mots, mais ça prend pas. Et il se trouve que je suis arabophone et francophone. Donc, détester sa famille, ça fait partie du dogme, mais du moment que cette famille est
mécréante, comme ils disent, le mot mécréance, c'est d'une violence incroyable, ce mot. Et ben, même s'il faut détester ses frères et sœurs et ses parents, et il faut les ignorer et les se détacher d'eux, c'est autorisé. C'est autorisé. Ça fait partie du dogme. Et c'est là où on comprend que c'est une forme de manipulation et tu peux mettre les personnes les plus fragiles dans une situation où il faut qu'elles fassent le choix par la peur. Attendez, chacun son tour, s'il vous plaît. Je fais monter, mais quand KNB elle parle, après, c'est chacun son tour dans l'ordre d'arrivée. KNB, t'es là ? Oui, j'ai Il y a eu une résonance. J'ai fermé. Du coup, une résonance. Il y a User qui est monté, et puis ensuite, Bélia. User, bonjour. S'il est là ou pas ? Bon. User, tu es là ? Moi, je le redescends. Aïe, aïe, aïe. Bon, il est redescendu. Ok. Coucou, ma belle. C'est juste que je voulais juste te. Je reste pas longtemps, après, je me déconnecte. Je voulais juste te dire de faire attention à Monarchie parce qu'il prend le profil des fuges et se fait passer pour un fuge et il essaie à tous de vous manipuler. Je l'ai vu dans plusieurs lives. Je voulais te dire, fais très, très attention. Je sais. Voilà. J'ai un écho. Je me déconnecte, mais en tout cas, fais attention et je te dis Raksameak et puis plein de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moon River. Il y avait de l'écho. Mais oui, il y en a qui prennent des faux profils et attention quand vous leur donnez la modo ou quoi, faut faire attention. C'est des gens. Non, pas toi, Moon, non, rien à voir avec toi. C'est Monarchie, c'est une autre personne, un islamiste, qu'on ne présente plus et qui fait ça. Non, c'est pas toi, t'inquiète pas. Mais voilà. Je me suis jamais fait penser pour non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Okay. Voilà, tout. C'était juste ça qui m'avait marqué. La faute à qui les journalistes ne parlent pas de ça. Ils nous font passer l'islam couscous, mais ils nous parlent pas des intégristes comme ça. C'est ça le problème. Youyou, tu veux remonter au lieu de morder vos doigts les sionistes? T'as pas brillé hein, quand t'es monté dans ta démonstration verbale, à part avoir coupé ton micro et être passé en mode mute. Écoute-moi, si tu veux remonter, Youyou, tu peux, hein. En quoi les sionistes ont de la haine? En quoi? Moi, c'est ça que j'aimerais qu'on m'explique un jour. Ils projettent leur propre haine et leurs propres défauts parce que eux, ils se sont pris la raclée, leur califat n'a pas tenu le coup et on sait très bien quand on met les lois de l'islam, il y a des études qui ont été faites. Hein. Une loi chariatique n'est pas compatible au développement d'une société correcte. Ils le savent d'ailleurs, ils le disent même eux-mêmes. Sait très bien qu'ils sont dans des délires de merde, délires religieux incompatibles, simplement parce qu'ils se sont pris la raclée par les Britanniques, par les Européens, que leur califat ottoman s'est cassé la gueule il y a 100 ans, et ils s'en sont jamais remis. Mais les gars, on est en 2024 maintenant, va falloir peut-être changer de discours, les islamistes. On en a rien à foutre que vous êtes pris une humiliation par les Européens. On vous a apporté beaucoup de choses. Tu veux que je te dise, les personnes qui écrivent des phrases comme l'a écrit Yu, sachez que la majorité, ils sont musulmans juste parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane. Personne ne choisit où il est né. Comprenez bien ça. Hein. Je pense que c'est des choses basiques que chaque être humain est capable de comprendre. C'est juste, ils ne connaissent même pas l'islam. Ils pratiquent à la carte, c'est-à-dire c'est genre islam fast food, je prends selon les goûts du jour, mais ils défendent quelque chose, un, qu'ils ne connaissent pas, et ils sont incapables de se remettre en question, et ils vont faire dans l'accusation renversée pour avoir un semblant de conscience tranquille. Mais je veux dire, quand tu vis dans un pays comme l'Algérie, par exemple, qui t'explique que tu dois être du côté de Palestine, même si Palestine est en tort. Vous vous rendez compte? On apprend aux enfants que tu dois te mettre de quelqu'un, par exemple, qui t'agresse. Tu te mets de son côté, même s'il t'a agressé. C'est exactement pareil.
Quel, mais quel enfant deviendra adulte avec un tel concept? Exactement. Fatch, on ne parle pas de la religion. On a déjà rappelé le droit suisse et le droit français, liberté de religion. Hein, on n'est pas, on veut faire apostasier personne. Les musulmans, les chrétiens, les machins, vous vivez votre vie chez vous, vous faites vos prières, vous avez vos lieux de culte, c'est très bien. Donc arrêtez de nous dire ce qu'il faut pas dire. Allez relire les lois du pays et arrêtez d'essayer de nous emmerder par des choses qui ne sont pas. C'est incroyable. Toujours la même chose. Quand est-ce qu'on parle de la théologie? Jamais. Bonjour. Tu vois, bonjour. Mais ça, c'est une preuve, tu vois, ça prouve ce que j'ai dit. Ils ne connaissent pas la théologie elle-même. J'avais une question à poser à KNB. Pourquoi quand vous montez... Toujours des questions, moi je peux plus. Vous êtes, fan sinon, ou... Sinon je peux poser des réponses. Si vous voulez. Mais vous êtes fan, les gars. Pourquoi vous montez poser des questions plutôt que d'aller sur le sujet et d'aller dans les problèmes? C'est-à-dire, j'ai un sujet particulier, c'est l'UNRWA. Tu veux plutôt pas? Ça fait 2 heures que j'ai parlé de l'UNRWA avec toutes les preuves comme quoi ils étaient terroristes. Ça fait 5 minutes que je suis là, c'est pour ça. Ah, et ben voilà. Vous débarquez comme voilà. Ma maîtresse, je sais pas de quoi le cours il est fait. Donc du coup, mais c'est insupportable. C'est insupportable, les gars. Oui. Tu étais là depuis tout à l'heure. Tu as écouté J'ai vu qu'il était là. Ou pas? J'ai cherché ma pause, là. Alors, le sujet du jour, l'UNRWA, c'est le terror. Je sais pas. Ouais, bon, alors tu vas descendre, merci. Les gens qui n'ont pas de connaissances. Voilà. Les gens qui n'ont pas de connaissances. Et qui ne savent pas intervenir de manière intelligente, vous restez en bas. Mon live, ça n'est pas le bureau des plaintes et des doléances françaises. Je vous le rappelle. Allez sur d'autres lives, discuter de votre vie et de je sais pas quoi, de votre avis à vous, alors que vous ne connaissez rien, je m'en tape. Mais sur mon live, ne montez pas si vous n'avez pas notion du sujet, si vous n'avez pas de notion pour faire un débat intéressant. Merci. Incroyable. Toujours les mêmes qui montent, quoi. TikTok. Madame, j'ai une question. Pourquoi le soleil est rond? Pourquoi la lune est ronde? Pourquoi l'eau ça mouille et le feu ça brûle? Pourquoi le feu ça brûle? Oh my goodness. Non, mais reste en bas, Machiavel. D'ailleurs, avec ton nom... Bref, on va pas parler de Machiavel, etc. C'est pas là. On m'a fait descendre. Oui, je t'ai fait descendre. Je t'ai dit que je ne gardais pas des gens qui ne savaient pas parler du sujet, qui n'avaient pas un certain niveau. Tout simplement. J'accepte pas ça. Vous allez sur d'autres lives ou vous restez en bas. On n'a rien contre toi, Machiavel. C'est juste que c'est énergivore de devoir à chaque fois répondre à la même question. Et d'ailleurs, pourquoi vous montez pour poser des questions? C'est pas le but du live. Le but du live, c'est d'apporter des informations documentées, que ça soit par la presse ou par les institutions telles que l'ONU et toutes les horreurs qu'il y a derrière et à l'intérieur de l'ONU. Et ça nous concerne tous en tant qu'humains, en tant que citoyens, ce que se fait avec l'argent des contribuables de l'Europe, puisque nous sommes en Europe, je pense pour la majorité d'entre nous ici, précisément en France, si vous voulez, c'est des sujets qui devraient intéresser tout le monde, qu'on sache ce qui est fait de votre argent. Et que vous soyez assez intelligent pour savoir lire un article de presse ou un article scientifique ou un article de droit pour l'analyser et savoir prendre des décisions et savoir s'il est bien fait ou pas. Ça, c'est le minimum de ce qu'on attend d'un citoyen. Mais peut-être qu'on met la barre trop haut, en fait. KNB, je crois. Quand je vois le niveau des Français au niveau de l'école et au niveau écriture et au niveau culture, j'ai peur. Oui, c'est vrai que là, les enseignants aujourd'hui ne devraient plus être des enseignants. D'ailleurs, quand on voit que les enseignants ne sont plus dans leur fonction principale, c'est que donner le savoir, maintenant, ils sont tous devenus des donneurs de leçons et ils endoctrinent la jeunesse. C'est très, très grave ce qui se passe dans les écoles françaises. Regardez Machiavel qui a fait je vais repasser ton extrait. Machiavel, censé avoir un master en Sciences Po, quand t'as parlé l'UNRWA terreau, excusez-moi, si t'as un master en Sciences Po, tu t'exprimes pas de cette manière. Donc Machiavel, vous êtes tous
des masters en Sciences Po, vous êtes tous des avocats, vous êtes tous des juristes, vous êtes tous des médecins. Maintenant, je te mute, j'ai pas envie d'avoir des mensonges et des racailles sur mon live. Merci beaucoup. Ils se proclament tous quoi que ce soit, et quand tu discutes avec eux, ils sont pas capables d'aligner deux mots correctement et de faire une démonstration en 5 minutes de quoi que ce soit. Sciences Po a perdu de sa superbe. Waouh. Sciences Po, l'école sup, normal, pareil. L'INALCO, on peut les citer tout le temps, hein, les universités, on voit les sujets, comment agissent certains directeurs de thèse avec des étudiants qui sont brillants. Ce sont juste des outils à endoctriner la population. C'est honteux. Machiavel, tu vas me faire le respect de rester en bas. Si j'ai pas envie que tu montes, tu ne montes pas. Tu peux aller sur un autre live où tu peux tapoter, mais j'ai décidé que tu ne monterais pas sur mon live, s'il te plaît. Merci. Oui, des hommes, si tu veux monter, tu peux. Hein. Des hommes, vous pouvez monter. Faut juste faire la demande. Uni, tu l'avais présenté, l'article dans le journal suisse Le Temps. L'article. Lequel? J'en ai présenté plusieurs. Concernant l'ONU. Bonjour. Le titre, c'était quoi? Bonjour. J'en ai vu accusé d'étouffer des enquêtes sur ces policiers proxénètes. Ouais, je l'ai présenté. Présenté sur la Bosnie, parce qu'on a parlé de l'UNRWA, et sur la Bosnie, effectivement, j'en ai parlé. Après, je vous donne les sources, vous pouvez capturer l'écran et aller chercher vous-même compléter, mais j'ai déjà présenté pas mal de choses ce matin, mais effectivement. On en a parlé. Débésom, bonjour, dans le biscuit. Bonjour, comment allez-vous? Oui, on t'écoute. Que la paix soit avec vous, d'entrée de jeu. Si c'est quelque chose qui parle encore à quelqu'un. Après, j'ai entendu le début, je suis tombé sur votre poste, en fait, sur votre joli visage, et ce que vous racontez, que comme quoi vous étiez menacé, c'est bien ça? Est-ce que c'est vous savez très bien que sur TikTok, il y a des sujets qui fâchent. Ah ben, il y a beaucoup de sujets qui fâchent, énormément de sujets. Beaucoup de sujets divisent aujourd'hui. Donc, il suffit peut-être qu'on se dise bonjour, que d'autres insistent avec salam alaikum en France, ça c'est sûr. Que ça peut déranger des gens comme moi, par exemple. Donc moi, je ne suis ni juif de confession, ni musulman de confession. Par contre, je connais parfaitement le sujet, puisque je suis un être humain. J'en tremble un peu parce que je suis un passionné par les êtres humains. Et comme je me sens encore un peu être humain. Okay. Alors attends, excuse-moi, Débé. En quoi le fait de dire salam alaikum, bonjour ou shalom dans l'expression et la relation des autres, ça va changer quoi que ce soit dans le sujet? Ça, c'est quelque chose qui me dérange fondamentalement en tant que Français en France. Ben oui, je ne me tapais pas. Moi, je lui accorde mon accord. Je suis en France, je dis bonjour. Voilà. Je suis à New York, je dis hello. Exactement, ça s'appelle l'adaptation. Mais oui, bien sûr. J'ai compris ce que tu veux dire. Mais vas-y, on t'écoute. Il faut juste pas qu'on soupire à chaque fois que, hein, il faut pas vous sentir, en tout cas, agressé. C'est moi qui ai très peur de me faire agresser, il faut savoir. Parce que bon, tout ça c'est difficile, tout ça c'est délicat, ça fait appel à la connaissance effectivement. J'ai cru comprendre que, si je puis me permettre, sans me donner votre nom quoi, vous avez quel âge s'il vous plaît, que ce soit l'un ou l'autre? Oh, on n'a pas envie de donner, de faire des données personnelles. On parle pas de... Mais on t'écoute, Débé. D'accord. On t'écoute, est-ce que tu peux développer s'il te plaît ce que tu as envie de dire? D'accord. Moi, comme je disais, j'aurais beaucoup voulu ramener la paix, là, ne serait-ce que sur ce live, par rapport à donc la paix de l'âme, la paix de nos propos, la paix de ce que chacun veut. Donc moi, j'ai 55 ans. Voilà. Alors attends, excuse-moi, Débé. Oui. C'est très bien les leçons de philosophie. Non, je ne veux pas attends, donner excuse-moi. Les leçons de paix et de philosophie ou de spiritualité, mon live n'est pas un live religieux. Le thème, c'était l'UNRWA, le lien entre... l'UNRWA, l'ONU et le tout terrorisme. C'est un sujet politique. Donc, oui. Tu peux apporter la paix si tu veux. L'UNRWA. Je suis en train de dire que mais je ne vois pas cet humanisme sur le live, la pertinence de ton intervention. Il n'y a aucune relation entre la paix, madame, et la religion directement, comme c'est développé là. Hein. Oui. Quand est-ce que j'ai parlé de la religion?
Bah là, vous essayez de faire une relation avec moi sur le rapport. Je vous parle Bah, tu fais de la d'essayer philosophie de paix de. Non, humaniste pas du tout. 2.0, Salam Pas du alaikoum. tout. Pas Bon, du tout. DB, C'est pas la vie du tu veux en tout. venir, tu veux en venir où? Où je vais en venir où? Bah, je vais juste me retirer parce que je pense que je ne serai pas écouté. Donc, je vais en Oui, mais venir si c'est où? pour faire une prêche, moi j'ouvre un livre de Je ne philosophie. suis pas, madame, je ne Non, suis mais pas. voilà, c'est Je bon. suis un taoïste, je pratique le C'est. kung fu, je ne fais Ah, pas de bah voilà, prêche. très bien. Arrêtez-vous. Très bien. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Et donc, Merci bon, ben, je beaucoup. vous propose de continuer votre combat avec l'islam et les autres. Bon courage. Au revoir. Parle Au pas revoir. l'islam. Bonne C'est possible. journée. Salut Esther. C'est incroyable les Oui, gens comment comme tu ça. vas? Ça va, mais les Salut humanistes comme Kenbe. ça, ils me fatiguent. Je peux plus. En fait, j'ai l'impression, j'ai regardé un petit peu tous ceux qui se disaient humanistes, en fait, c'est comme un rachat de. Comme s'ils se rachetaient des mauvaises pensées. C'est-à-dire que, ok, bon, ils sont humanistes, mais seulement quand ça leur convient. Alors ils vont dire, oui, oh, c'est pas bien ce qu'ils ont fait le 7 octobre, ou c'est pas bien ce qu'ils ont fait au Bataclan, ou c'est pas bien ce qu'ils ont fait chez Charlie. Par contre, la réplique, elle est atroce et elle est immonde. Et donc là, on a une géométrie variable. On a une géométrie, pardon, qui est extrêmement variable. D'ailleurs, parce que, en fait, ils mettent du sentiment là où il devrait y avoir de la froideur et du recul. C'est-à-dire que oui, en fait, il y a eu un attentat sur le sol français par un groupe terroriste qui avait fait sécession dans un pays qui était la Syrie. Okay? Et donc, pour démanteler ce réseau terroriste, il fallait... Bah déjà, il fallait le blanc-seing du chef d'État de la Syrie, si on peut l'appeler comme ça. Donc lui, on ne le met jamais en cause alors que c'est quand même le boucher de son propre peuple. Et tant que c'est entre eux, c'est pas grave. Donc l'humanisme s'arrête là, aux frontières de ces pays-là. Par contre, dès qu'un blanc, parce que Israël est mis comme un blanc, par exemple, je vais donner cet exemple-là parce qu'il me concerne, comme un pays blanc. Et un pays raciste, alors que eux-mêmes, leur idéologie est plus que raciste, elle est, j'ai pas encore trouvé le mot, elle est ségrégationniste, c'est une idéologie qui normalement devrait, dans les pays comme le nôtre, devrait être interdite, puisqu'elle met, elle pratique un apartheid qui ne dit pas son nom. Et en plus, il est éhonté, hein, vraiment, sans aucun complexe. Par contre, ils ont réussi quelque chose là où nous avons échoué, c'est d'imposer quelque chose qui, que ça convienne ou pas, c'est comme ça. On aurait dû imposer, il faut arrêter d'expliquer, il faut imposer, c'est quand on force à la loi. C'est-à-dire que la loi du pays, c'est la loi. Et on devrait arrêter de comprendre les idéologies, les religions, etc. Celui qui n'est pas content, le monde est vaste. Il trouvera toujours un endroit où pratiquer sa religion. Voilà, moi Bah, c'est ma manière de voir les tu choses, sais, mais Esther, j'ai fait un gros gros live ce matin en parlant de l'UNRWA et j'ai sorti les documents de l'UN Watch, on est allé dans les coins, bon, j'ai tout analysé, etc., avec les preuves, on a revu les tweets, j'ai vu, je suis passée voilà, ce tu vois. matin, je t'ai écouté Et il y a rapidement. encore des gens qui arrivent à monter et à raconter que c'est faux, etc. Je sais pas, en fait, comment tu peux faire avec des gens qui sont autant de mauvaise L'ONU foi. est extrêmement corrompue. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que la très grande majorité des pays qui veulent se défendre n'écoutent plus cet organisme qui, je sais pas, il est vendu au Qatar, aux fréristes. Je ne sais pas très exactement qui distribue les billets là-dedans, mais je ne comprends pas trop Alors, ce qui se le passe. Qatar, beaucoup. Moi, j'ai trouvé beaucoup de Mais choses sur l'ONU de évidemment. Genève, etc. Il y a énormément de subventions. Et je vous souligne, rien à voir, mais quand même, au niveau du Qatar, justement, Macron, vous savez qu'il a blo il a voté pour ne plus vendre d'armes en Israël. Et d'ailleurs, Netanyahou en a parlé hier, etc. Ils se Oh sont un peu chauffés. oui, Vous savez ah bah c'est qui est le normal. deuxième pays à qui ils vendent les armes, la France? C'est le Qatar.
En 10 ans, c'est le deuxième qui achète. Donc, en fait, ils obéissent à Papa Qatar. Non, mais le Qatar, attends, le Qatar, il est, bah, évidemment, enfin, moi personne, enfin, tu as trouvé le lien très rapidement. Je m'étais absolument pas penchée sur la question. Mais le lien, s'il doit y en avoir un, c'est celui-ci, il n'y en aura pas d'autre. C'est ça, comme d'habitude. De toute manière, c'est simple, c'est soit le Qatar, soit l'Iran. L'Iran aussi, il est responsable de beaucoup de choses, mais après, ils communiquent hein, les uns les autres. Mais voilà, il faut chercher là-dessus, vous regardez les financements, vous regardez où ils vendent le pétrole, vous regardez qu'est-ce qu'ils investissent, et vous avez compris, Macron, c'est... Le Qatar, c'est l'horreur, et personne ne dit rien. Et en plus, ils ont même mis la police qatari dans les rues pour, soi-disant, contrer le terrorisme. T'avais les Qataris, là, qui traînaient un pari Les pour les rois, JO. les J'ai dit, financiers, non, les mais premiers alors que financiers du c'est... terrorisme. Exactement. C'est les premiers responsables du terrorisme au niveau mondial. Et là, je me suis dit, vraiment, ils sont dans la merde, les Français, avec ça. C'est pas possible. Qatar Energy, effectivement, il y a Qatar Papers et aussi la Qatar Charity. Vous regardez, vous irez lire tout ce que Qatar Charity a fait. J'ai déjà fait des lives dessus, mais c'est incroyable. Et on s'en rend compte, c'est tellement gros qu'on s'en rend compte, mais... En fait, je me rends compte que tout ce dont nous, les Juifs de France, on nous a accusés, bah, c'est bah, les musulmans qui le font, excusez-moi, mais les Arabes, les musulmans, appelez-les comme vous voulez. Mais c'est eux qui ont la main mise finalement sur la France, c'est eux qui font Exactement. des... qui ont tissé une toile d'araignée de manière à avoir la main mise sur le monde et la finance mondiale. Enfin, je suis... Exactement. Et ils disent toujours c'est le sionisme. Mais en fait, c'est pas le sionisme, c'est les frérismes. Tu vois, depuis que moi j'ai créé ma chaîne, que je fais que parler des fréristes, t'imagines pas les attaques que j'ai et tout, parce qu'ils supportent pas. Tu vas voir dans les commentaires, c'est que attaquer Sion, Sion, Sion. D'ailleurs, ils pensent que je suis une Sion, mais je leur rappelle, je suis ni juive ni israélienne. Mais pour eux, c'est pas possible que t'aies des gens qui soient pas israéliens, qui soient justes, qui étudient, qui lisent et qui font des efforts pour informer les gens. Pour eux, dans leur tête, c'est pas possible. On est forcément corrompus, comme eux, en fait, et payés. Parce qu'on rappelle quand même que l'Iran et le Qatar payent des gens sur Internet pour faire de la promotion du Hamas et de Hezbollah à longueur de journée. C'est officiel, Bonjour, ça. bonjour. Bonjour. Alors moi, je Salut voudrais John, intervenir sur le Jonathan Qatar parce va. que moi, je suis en plus, je suis supporter du PSG et ça me fait mal, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais le Qatar, c'est vraiment un pays qui corrompt tout le monde, tout le monde. Ça m'étonnerait pas qu'ils corrompent l'ONU, que les gens soient corrompus par le Qatar. Ils font des trucs, mais vraiment du sale, les Qataris. Et mais un jour, ça va se retourner contre lui, contre l'émir Altani. Ça va se retourner. Et je vous le dis, un jour, même s'il a la sécurité des États-Unis, ça peut se retourner, ce double jeu là Il a Obama est et en train de Harris dans la faire. po... Tu sais, il a Obama et Harris. Tout dépendra si Trump passe ou pas, en fait. C'est là le... Si Trump passe, il va Mais ce balancer les double jeu Qataris et tout. qui fait là, Altani, ce double jeu qui fait Altani là entre le oui être soi-disant pacifique et tout ça et en fin de compte faire des trucs en douce, en soum-soum, ben moi je vous le dis, ça va se retourner contre lui un jour. Et moi je crois qu'il a bien peur de ça. C'est pour ça que d'ailleurs il prend il a payé les États-Unis qu'elle lui donne son armée, mais un jour ça peut se retourner contre lui. Alors, sur les Américains, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pas le sujet du live, mais voilà. Et puis, par contre, moi, j'ai un livre qui s'appelle, vous pouvez le trouver sur Internet, Youssef Al-Qaradawi, The Muslim Brotherhood et le Excusez-moi. Qatar avec les cheikhs et tout. Et c'est tout, hein, j'ai pas fini parce que j'en lis plusieurs en même temps. Mais ce livre-là, ça expose tout depuis les 40 dernières années, des liens du Qatar avec les frères musulmans, etc., etc. Et je vous assure que quand vous voyez tout ça, et au niveau aussi financier, Et beaucoup tu de veux que je choses. te dise ma théorie? Ma théorie, c'est que pourquoi ils investissent autant à l'étranger? Alors, ce n'est pas une politique de s'ils ont du gaz ou pas. Moi, je pense que c'est si un jour il y a un renversement dans ce pays-là, là, il aura, tu vois, il aura des biens. Moi, je pense que c'est ça. Moi, peut-être que Mais je me bien sûr, trompe. ils réinvestissent Mais leur ça. argent pour du long terme, parce Voilà, qu'on tu sait vois, que comme ça, si le un jour il pétrole y a quelque chose, liquide, bah... oui, c'est 100 ans, et le pétrole normal, c'est un peu moins. On a déjà les estimations de combien de temps ça va durer. Donc, ils réinvestissent. Et en réinvestissant dans les immeubles, dans les vignes, dans plein de choses, il y a aussi un moyen de pression, parce qu'il y a vous irez voir des phénomènes de pression sur Macron, interne et externe, sur lequel maintenant il est tenu par les coronesses. À cause de ça, Ouais, mais avoir Macron, ouvert la porte à ces connards mais là. je pense que moi, tu veux que je te dise, je pense, c'est pour ça que j'aimerais bien que
quelqu'un ouvre le dossier, qui aille, je ne sais pas, fouiller à l'ONU avec Gutiérrez. Tu te rends compte? Ça lui a pris 11 mois pour reconnaître le 7 octobre, quand même. C'est dingue. Mais t'as 11 vu mois, tout ce il y a, que. Et encore, c'est, t'as ça vu n'avait pas l'UNRWA été et fait, je tout. crois, d'une façon. Mais c'est fou, ouais. Ouais. Non, mais. Et le truc, c'est que personne n'ose 11 condamner. Mois, il a, regarde le dernier personne n'ose discours condamner soi-disant, l'ONU oui, parce il que est victime du tous les 7 pays, octobre et tout. Mais tous les Mais pays sont 11 mois, ça lui a corrompus. pris. Un an. Tu as vu? Tous les pays qui ont donné à l'UNRWA sont corrompus. Et tu as vu la commission, là, dont j'en ai parlé ce matin. L'UN Watch, ils ont balancé tous les trucs, ils ont fait un super dossier. L'UNRWA a répondu. Qu'est-ce qu'ils ont commissionné? Une ancienne ministre de France qui fait partie de la commission de l'UNRWA et qui a du coup dit non, le rapport c'est faux, etc. Donc les Français sont corrompus jusqu'à Mais l'os aussi. tu sais quoi, c'est des trucs vraiment, mais vraiment, si les gens devraient mettre leur nez, je sais pas, les trucs d'investigation, le truc, devraient mettre leur nez dans tout ça, parce que c'est, tu vois, c'est tellement facile, ils font, c'est tellement facile Tu sais qu'ils menacent de mort les journalistes indépendants, hein. Ils les menacent, c'est ils tellement enlèvent facile leur de mettre famille. là, de Hey. détourner cet argent, de détourner ces fonds. On le voit bien comment le Hamas détourne tous ces fonds. On le Oui, voit mais bien. ils enlèvent les Donc, gens, ils les pragmatisent, ils les transforment en suicides, tous les journalistes indépendants qui commencent à ouvrir leur gueule. Tu penses qu'au bout d'un moment, véridique, hein. Ils agissent comme ça, les Qataris et les fréristes. Ça n'est que ça. Au début, on essaye judiciairement de te niquer, et s'ils n'y arrivent pas, ça se termine en accident bizarre. Alors, au bout d'un moment, les gens, ils ont peur, hein. mais tu sais que l'Iran, par exemple, là, elle est très investie dans la campagne présidentielle. Aux États-Unis, hein. Faut le savoir. Bah bien sûr, Harris. Trump. Tu sais, attends, tu sais qu'Harris, là, pour les plaintes des Israéliens, il y a eu des familles israéliennes qui ont déposé le dossier à New York contre l'UNRWA, où ils ont évidemment, en reprenant tout UN Watch et tout, montré les arguments comme quoi l'UNRWA c'était terroriste, tout simplement, ça finançait le terrorisme, mais il y avait des terroristes à l'intérieur. Kamala Harris, officiellement, et Biden ont appelé les juges et tout le monde à classer, c'est noté noir sur blanc. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as la moitié des États-Unis qui sont représentés par Biden-Harris, qui veulent classer pour protéger l'UNRWA, et ils ont demandé à ce que ils soient défendus et protégés, les assassins de l'UNRWA qui ont participé au 7 octobre, qui c'est l'immunité. C'est Oh là écrit là noir là. sur blanc. C'est dégueulasse, c'est une horreur. Mais c'est pour ça que je pense que Elon Musk, il s'est mis du côté de Trump. Je pense que c'est pour ça que lui, il s'est mis du côté de Trump parce que il voit qu'est-ce qui va se passer si Harris elle monte quoi. Elle voit le truc. Alors si Harris elle monte, moi je vous dis, le monde il est perdu. Si Trump se fait dégommer, comme il a eu déjà deux tentatives d'assassinat, c'est le seul qui, quand il est au pouvoir, va balancer. Et c'est vraiment le seul qui a les couilles contre les fréristes. Mais tu Mais sais si qu'il y a c'est un Harris, problème aussi. c'est fini, hein, au niveau Tu sais qu'il y a un mondial. problème aussi. Il y a beaucoup de pays qui a beaucoup. Regarde, ils ont envoyé 150 millions de dollars au Liban. Ils disent, Harris, elle a envoyé 150 millions de dollars au Liban. Et il y en a qui commencent à dire pourquoi, mais comment ça se fait? On a une tornade. Il y a des trucs. Et là, ils nous envoient pas là. Ils nous aident pas. Il y a beaucoup de villages républicains qui ont été touchés par cette tornade. Et ça peut jouer aussi sur les élections, apparemment. Mais il y a beaucoup de choses, hein, et ça attend, c'est pas fini encore jusqu'aux élections, c'est pas fini, hein, le mois de novembre. Tiens, voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Mais le Qatar, c'est un gros problème, hein. Mais tu sais quoi, je pense que là, l'Iran et le Qatar, ils sont de mèche. Mais Vous bien sûr, m'entendez? je l'ai déjà démontré dans des lives, il y a plein de choses là-dessus. Mais c'est pas le sujet, de toute manière, après je vais le fermer, le live, je pense qu'il est midi et demi, on va fermer. Mais l'Iran et le Qatar, vous irez voir d'un point de vue politique et géopolitique, ils se soutiennent, il y a des écrits. D'ailleurs, quand Khomeini a été mis au pouvoir, ils ont tous salué, etc. officiellement. Mais tu l'as fait ton live sur les Tout. Qatar Papers? J'en ai fait une partie, ouais. J'ai pas fini, Ah, mais j'en ai j'étais fait une pas là, mais partie. pourquoi je sais Ouais. pas? Et tous les matins, je fais des lives intéressants. Tous les matins, il y a des Moi, je trucs voulais que voir je ton live balance. sur les Qatar Papers et les Qatar Charity, parce Mais que je vais ça le refaire. m'intéressait. En fait, je dois finir justement le livre sur Youssef El-Qaradawi et le financement des Qatars. Et en plus, après, je ferai une synthèse de tout ça. Moi, j'aimerais bien savoir pour Voilà. le Qatar Papers. Bon, il y a le livre, bien sûr, mais Il y a beaucoup de choses, hein. j'aimerais bien. Avec François Burga aussi, qui fut un celui-ci. Mais l'autre Je de l'ai vu. Villepin là, qui de Villepin aussi, il a quelque chose avec le Qatar, non? Exactement, de Villepin, là, mais
Lui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est un phénomène mondial depuis un an de corruption de chaque personne de politique. Ils passent leur journée à envoyer des gens, envoyer des mails, faire des choses pour corrompre, Ouais, je sais pas qui financièrement, etc. il y avait en Europe, il y avait une députée européenne ou un truc comme ça qui avait été chopée avec des Ouais, valises. mais le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une, mais ils le sont quasi tous, tu sais. Mais oui, c'est ça, tu vois, c'est ça. Faudrait faire C'est le sommet un. de l'iceberg, hein. Mais oui, mais ça m'étonne pas, tu sais, ils sont. Franchement, si une, si tu vois, imagine-toi s'ils ont attrapé une, tu vois. Imagine-toi combien ça passe, combien Elle fait d'autres. tomber les autres. Tu sais, s'il l'interroge, elle va dire oui, j'ai des liens avec lui. Elle fait tomber les autres et le poteau rose. Et en fait, ça fait l'explosion interne et la remise en question de toute l'Union européenne. Pas possible. Bon, bah écoute, Kenbe, tu es là? Je vais bientôt fermer le live. Je pense qu'il faut qu'on aille manger et puis Oui, voilà. et oui, il faut. Je t'ai envoyé un message en privé sur ton Ok. X. Tu Ok. vas voir, c'est un youtubeur, je crois, c'est un Français de Bretagne. Et ça vaut le coup d'être écouté. Ok, bon. C'est hallucinant comment certains Français Ah, je peux ont plus. perdu la raison. Mais moi, c'est pour ça, les gars, je vous dis, je vais plus sur les lives des autres. Vous me connaissez, je suis trop franco. Je monte sur des lives de patriotes, je monte au créneau. Je monte sur des lives d'islamistes, je monte au créneau. Je peux plus, en fait, parce que j'ai trop l'habitude de mes lives et de gérer. Et donc, non, 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 c'est pas. Voilà, je peux plus. Sur TikTok, il y a des lives où on laisse parler des gens et dire des fake news, des machins, personne ne les reprend. C'est pas possible. Je pète un plomb. Donc, je ne vais plus sur vos lives, ne le prenez pas mal. Mais vous pouvez tous venir sur mes lives si vous voulez. C'est pas. Voilà. C'est comme ça. C'est ma décision. Ça m'a valu pas mal de problèmes d'aller chez les autres. Donc voilà. Je pense que c'est mieux, KNB. C'est mieux pour l'équilibre mental et spirituel. Plutôt que de s'énerver tout le temps sur des gens qui en valent pas la peine. Bon, écoutez, je ferme le live. Merci beaucoup. Je pense que je vais en repasser une partie. Allez vous renseigner sur les documents que je vous ai donnés sur l'UNRWA, etc. C'est mieux sur D'accord, les merci. nerfs. Ouais. Ouais, les réseaux Merci. sociaux, ouais, on en a balancé, hein. Oui, cette plateforme, c'est vrai que le public n'est peut-être. Il y a une frange dans le public qui ne s'intéresse pas à ces sujets. Et puis, quand tu ne sais pas que certaines choses existent et que tu les découvres, la première réaction, c'est la négation. Parce que toi, tu croyais que ça n'existait pas, du coup, tu peux pas admettre que ça existe parce que tu ne le savais pas. C'est une façon de se dire, mais comment j'ai pu être con à ce point-là? Donc, la première réaction, qui est naturelle, c'est nier. Et certains vont plus nier que d'autres parce que c'est de ne pas admettre que je n'ai pas su. Comment ça se fait que je n'ai pas su alors que je vis dans l'ère de la communication? C'est compliqué. Exactement. Bon, allez, bon après-midi à tous et puis à bientôt. Appétit et bon Ce soir, après-midi. j'ouvre un live normalement à Genève. On verra s'il y a du monde, je l'ouvre, sinon j'ouvrirai pas. Juste pour la commémoration du 7. Allez, à plus tout le monde et puis à bientôt. Au revoir à tous. Au Au revoir, revoir Annie. KNB, salut.